Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce samedi pour une nouvelle émission de Game Cult où on va faire le tour de l'actualité des sorties du jeu vidéo avec la rédaction de Game Cult au complet. Autour de moi, on va commencer les présentations avec Nodus. Bonjour Nodus. Bonjour Yukifiro. Tu m'as l'air particulièrement enjoué aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai lâché une blague juste avant le décompte, mais on l'a pas entendu forcément. Et surtout, on a pas ri. En fait, on l'a entendu, ça tout était à, juste tout nul. À fait, ouais. Si, un peu quand même. Ce qu'on appelle un bide. Voilà. Bah, vous avez tous rigolé, donc voilà. Si, on a rigolé. Voilà, là. Merci de, d'accord, de okay. Rendre à César. Je veux qu'on soigne les lancements, c'est toujours. Oui, c'est toujours soigné. Et tu joues à des jeux vidéo en ce moment, du gaming? Bah ouais, j'ai lâché ma pause midi juste avant pour laisser une run de Slay the Spire juste avant le boss avec un PV. D'accord. Alors, ça va? Bien sûr. Slay the Spire, vous dites? Oui, Slay the Spire, le fameux jeu de cartes slash roguelite qui rabat les cartes du roguelite. On reviendra sur ce jeu plus tard. Ce jeu qui n'a eu que 8, hein, bizarrement. C'est dégueulasse. C'est un jeu correct. Comme Kingdom Hearts 3. 8, c'est pas correct. Relisez votre barème, monsieur Cusson. Un bon petit jeu, quoi. D'accord. Un jeu cool. Qui se laisse jouer. Voilà. Ça se mange sans fin, voilà. Ça va. Ça va? Ouais. C'est tout? Bah oui, je vois plus l'aliasing ni le framerate, donc ça commence à être un peu handicapant, parce surtout que je me vantais d'avoir des yeux bioniques qui effectivement jusqu'à là, présent. Donc voilà, j'espère que ça va revenir à la normale. Tu veux patcher tes yeux un jour ou l'autre. Tu vis la vie en motion blur. Exactement. À la ferme. C'est là qu'on en a. Je vis la vie en mode N64. Ah oui, effectivement, c'est pas facile. Mais en tout cas, t'as sorti les deux plus gros marrons du feu, puisque et Resident Evil 2 et Kingdom Hearts 3 sont testés. Donc déjà là. Et ouais, bah je suis content. Du coup là, je fais des petits jeux après jusqu'à Jump Force pour ça. Ah non, il y a God Eater 3 qui va. Ah oui, effectivement, très gros jeu. Voilà. Bref, on enchaîne le tour de table avec Gotos qui a d'ailleurs un podcast à nous annoncer cette semaine. C'est ton podcast. Toi aussi, t'as un podcast? Ouais. Oui, effectivement, on a sorti cette semaine un épisode de Quick Load avec les copains de Factor News et on y parle notamment de Slay the Spire. Alors à la base, on devait recevoir Pipo et il est tombé malade. On l'a poussé dans les escaliers et du coup, il a pas pu venir. Et on parle également d'Anthem et on essaie de faire un point sur les dernières infos autour du futur de l'Epic Game Store et de... Ça va être un point rapide, ça a duré 55 minutes. Hein. Voilà. Donc podcast long, voilà. PMU également, faut prendre son temps. Ouais, c'est un podcast en accès libre. En accès libre. Audio. Audio. Sur le jeu PC. Exactement. PC Gaming. Le, voilà. Et pour terminer ce tour de table, Pipo, que je trouve bien silencieux, ça va? Parce que oui, mon système immunitaire est en berne, donc je meurs un peu. Mais j'en ai profité pour jouer à la Switch et un petit jeu de stratégie qu'on attend depuis très longtemps. Donc voilà, c'était plutôt pratique de rester au lit, à boire des chocolats chauds et à jouer à ça. Rien pour ça, on remercie Nintendo d'avoir créé la Switch, comme ça c'est très pratique. Exactement. Aujourd'hui, on parlera de Anthem, donc, puisque vous le savez peut-être, la démo privée a eu lieu la semaine dernière pour ceux qui ont la chance d'y accéder. La démo publique, c'est ce week-end. Et Goto, en plus de cet essai sur cette démo, a été invité à essayer une version preview qui correspond à du contenu de jeu qui n'est pas dans la démo. Donc on va parler du jeu en détail à un mois de sa sortie à peu près avec toi. Et puis on parlera donc de Kingdom Hearts 3 qui lui est disponible. C'est Puyo qui a eu la chance de tester ce jeu 12-15 ans après son annonce. Donc c'était une attente particulièrement longue et pour ça tu as dosé tous les Kingdom Hearts. Tu nous expliqueras d'ailleurs l'histoire. Ouais, je vous ferai des tableaux, des schémas. Exactement. Ah, cool. Voilà. Et surtout Nodus qui est assez curieux autour de lui. On a combien de place sur le disque dur là? Ça va, ça va. Si on arrive à comprendre déjà, c'est si l'essentiel. Ça devrait suffire. Donc Kingdom Hearts 3 également au cours de cette émission, ce sera la dernière partie et j'en profite puisqu'on parle de Kingdom Hearts de parler de Disney et 24 FPS, notre émission cinéma jeux vidéo qui consacre donc un numéro entier au lien entre Disney évidemment donc au cinéma et Disney dans le jeu vidéo, donc les jeux Disney mais aussi les inspirations en termes de design, donc c'est très intéressant, c'est d'ores et déjà disponible, ça s'appelle 24 FPS et vous pouvez le regarder si vous êtes abonné premium. On enchaîne messieurs si vous le voulez bien avec un gros point news parce que comme souvent on tourne l'émission et juste après il y a plein d'actualités donc on va rattraper les actualités de la semaine dernière, notamment celles qui concernent Metroid Prime et c'est juste après le jingle. «
On attaque donc ce tour des actualités de la semaine avec une information qui concerne Metroid Prime, Metroid Prime 4 en l'occurrence, puisque le jeu a été annoncé sur Switch. Et a priori, il faudra s'armer de patience, Puyo, car le développement a rencontré... Ah, c'est Pipaume, d'ailleurs. Je vois Puyo qui panique. Non, mais je te l'aurais fait quand même, mais... Parce qu'il marquait Pipou sur ma feuille. Ah. Je m'attendais pas à avoir un U quelque part sur Pipo Mantis. Metroid Prime 4 est annulé. Bisous, au revoir. C'est la fin de cette news. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Metroid Prime 4 est vraiment annulé, puisque donc, selon la rumeur, il était développé chez Bandai Namco. Peut-être pas directement au Japon, je sais plus exactement où. Alors là, ce qu'on est en train de regarder, c'est la vidéo officielle de Nintendo. Exactement, de Shinya Takahashi, qui est donc le directeur général de Nintendo, qui annonce donc l'annulation de ce Metroid Prime 4 là, qui n'aurait pas atteint les standards de Nintendo. Mais ça retourne chez Retro Studios, qui sont donc les Texans qui s'étaient occupés des trois premiers épisodes. D'accord, alors pourquoi tu dis annuler? Bah, c'est-à-dire pourquoi annuler? Bah, ils reprennent le projet de zéro. Ah, ils récupèrent pas le projet. Ah non, d'accord, ils cassent le projet parce que ça n'allait pas, et ils disent à Retro, allez, recommencer de zéro. Le truc, c'est que Retro, bah, c'est plus nécessairement la même équipe qu'à l'époque de Metroid Prime 1, 2, 3. Il y a eu quand même beaucoup de changements. Retro, surtout, bah, on n'a pas vu grand-chose de chez eux depuis Tropical Freeze. Ouais. Ça fait un petit bout de temps qu'ils font soit du proto dans leur coin, soit vraiment ils se tournent les pouces, ce que j'espère pas. Donc voilà, ça reste une bonne nouvelle dans le sens où si le jeu était parti pour être mauvais, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose qu'ils repartent sur de meilleures bases chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, on sait pas forcément ce que ça va vouloir dire pour le jeu. Le seul truc qu'on sait en fait, c'est qu'on va vraiment plus rien en attendre avant, enfin pour cette année c'est sûr, et peut-être même pour 2020. C'est-à-dire que si ça se trouve, on ne verra rien du jeu avant 2021, quoi. Oui, effectivement, parce que là, on est reparti peut-être pour un cycle entier de développement. Oui, de bien peut-être 3, 4, 5 ans de dev. Même si je soupçonne comme Retro Studio de ne pas être non plus totalement à zéro, dans le sens où, à mon avis, ils ont dû quand même un petit peu postuler pour ça. Ah bah oui. Ils ont dû faire des protos, des machins à montrer. Des protos, bien sûr. Ils n'ont pas juste dit, tiens, vous êtes tiré il y a 15 ans, bah, au fil du projet. Ils ont peut-être pas, oui, mais peut-être pas avec la Switch en tête, par exemple. Tu vois, enfin, il y a des choses différentes à gérer. Ouais, qu'ils aient fait peut-être un truc. Il y a des infos qui sont sorties à ce propos, comme quoi, a priori, ils seraient quand même allés leur pitcher un truc durant le développement de la première version du 4. Ah, quand même, d'accord. Un peu comme une contre-proposition peut-être sur le tard qui a peut-être mieux décidé. Ouais, peut-être qu'à mesure que le développement avançait des deux côtés, ils ont vu un projet qui ressemblait plus à ce qu'ils attendaient. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que même si beaucoup de gens vont le percevoir comme une mauvaise nouvelle, ça reste. Non, déjà, non, depuis l'annonce, la plupart des gens disent c'est pas plus mal en fait. Donc d'accord, les gens comme commencent ça, à. Ouais, peut-être. C'est fait avec transparence quand c'est une grosse boîte comme Nintendo qui arrive en disant. On a merdé. Désolé, ça marche pas. On va réessayer ailleurs. C'est super classe de le faire comme ça aussi. Alors très courageux. Évidemment, c'est que Metroid Prime 4. C'est pas la Switch vend très bien sans Metroid Prime. Donc il n'y a pas de dépendance alimentaire par rapport à cette sortie. Mais c'est vrai que c'est une vraie sortie d'image. Oui, ils ont bien au niveau de l'image. Ils ont bien compris que de toute façon Metroid Prime 4, s'ils rataient le retour, c'était peut-être la fin. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de 5. Donc il fallait absolument entre guillemets faire un vrai retour. J'ai envie de dire à la Zelda toute proportion gardée, pardon. Mais en tout cas voilà, un peu casser la routine de cette licence avec quelque chose d'un peu plus probant. Mais ça veut dire qu'effectivement, on devra attendre quelques années. Non, à cause de toi, tout le monde va attendre une sorte de Ridley of the Wild, qui serait un truc incroyable à monde ouvert. Bah, peut-être, hein, écoute, croisons les doigts. Hein. Bref, toujours est-il que c'est une affaire évidemment à suivre, même si, on va pas se mentir, on devrait rien avoir avant... Cette année, c'est clair qu'on aura rien, 2020, c'est même pas sûr. Oui, je pense que c'est à peu près c'est le schéma. Puyo, des bons chiffres pour Resident Evil 2, le remake qu'on évoquait la semaine dernière. Ouais. Le mois de janvier sourit à Capcom. Hein, en 2017, c'était Resident Evil 7 qui s'était écoulé à 2,5 millions d'exemplaires. L'an dernier, c'était Monster Hunter World, on s'en souvient. Et là, bah, Resident Evil 2, de toute façon, je pense que tous vos amis Facebook, Twitter, Instagram et compagnie ont posté leur image du jeu qui tourne chez eux. Ça veut dire qu'il s'est quand même bien vendu. 3 millions d'exemplaires distribués. En l'espace de quelques jours après la sortie, ce qui est beaucoup, ce qui prouve encore une fois la vitalité de la franchise, qui reste la franchise la plus lucrative chez Capcom, en tout cas celle qui se vend le mieux, 88 millions d'exemplaires depuis ses débuts. Et entre-temps, Capcom a confirmé l'arrivée d'un mode gratuit, ce sera le 15 février, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle The Ghost Survivors, et non pas The Force Survivor, qui est un mode déjà inclus dans le jeu de base, et qui se veut un petit peu plus rock dans l'esprit, avec voilà, des placements d'objets aléatoires et plusieurs personnages qu'il est possible d'incarner avec des compétences un peu différentes. Quand tu dis mode gratuit, c'est un mode qui est ajouté au jeu de base ou c'est un mode qui est accessible gratuitement même si t'as pas le jeu? Ah non, c'est un mode qui nécessite quand même d'avoir le jeu de base, effectivement. Mais voilà, grande réussite pour le retour de la franchise, et c'est tant mieux, puisque ça reste un bon jeu, comme on l'a dit la semaine dernière. Et c'est ça, du coup, le DLC qui va suivre trois scénarios What If avec trois persos? D'accord, tout à fait. J'avais pas tout suivi. Cool. Donc, a priori, on peut penser que le traitement remake va être appliqué à d'autres épisodes de la série. Qui sait? Ah, ce serait surprenant, du coup, le contraire serait surprenant. Gotoz, un jeu qui lui est sorti mais qui n'est pas fini, toujours pas, c'est Fallout 76, qui entre correctif et contenu additionnel essaye un petit peu de redresser la barre et de sauver ce qui peut l'être dans le jeu de la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Et donc les ajouter un mode survie.
Alors ils vont ajouter, il y a beaucoup de communication de Bethesda autour de Fallout 76 qui commence par des phrases du genre « On pense à ça !» Et là actuellement, ah, le frame rate, mon gars, déjà. Alors, c'est que ces captures, vous les connaissez, c'était peut-être même les miennes, je pense, de l'époque. Mais en gros, il faut, ils se sont dit après que la plupart des acheteurs du jeu leur aient dit, dites le PVP, il marche pas. Ouais. Ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va peut-être le refaire. Et donc, tu auras la possibilité maintenant de basculer sur un second mode qui s'appellerait le mode survie, alors que le mode actuel, le jeu actuel s'appellerait le mode aventure, et qui te proposerait tout simplement eh bien, que tous les joueurs qui ne sont pas dans ton groupe soient automatiquement déclarés comme hostiles. Et donc, les attaquer pour les... qu'il n'y ait plus tout ce truc de « Est-ce que tu veux bien que je t'attaque ?»« Oui, alors merci de bien vouloir agréer mes salutations pour qu'on puisse commencer à se tirer dessus. » Donc là, voilà, les joueurs seront directement hostiles et on raccrocherait avec un truc qui serait plus celui d'un finalement d'un Daisy ou autre. Alors, ça va nécessiter un petit rééquilibrage du jeu. Les joueurs seront voilà, mis entre eux sur des maps où il y aurait des drops un peu différents, notamment des Steam Packs, puisqu'il y aura plus d'agressions, il y aura besoin de plus de soins, donc les joueurs en se tuant se voleront leur bric-à-brac et également les, des soins. Mais globalement, Bethesda voilà, prévient, alors ça, c'est ce qu'ils appellent la phase 1 du mode survie, sachant qu'ils voient le mode survie en 5 phases. Alors, c'est bien d'avoir de l'argent sous le matelas, je vois que ça sert, parce qu'une phase, enfin 5 phases pour rien que ce mode-là, alors qu'ils veulent aussi implémenter des joueurs vendeurs et plein d'autres choses, ça a l'air d'être parti pour un long... un vrai jeu service. Ouais, un vrai jeu service, en tout cas une longue convalescence. Mais eux préviennent quand même que dans cette phase-là, qui n'a pas encore de date, ce serait quand même bien de relancer un personnage. Puisque les changements d'équilibrage, l'obligation de dépenser beaucoup de munitions pour les échanges de balles entre joueurs font quand même que ton personnage, si après tu le re-ramènes en mode aventure, il risque d'avoir perdu beaucoup d'argent, beaucoup de balles, beaucoup de Steam Pack, etc. Donc voilà, eux ils préparent ça, ils voient ça plutôt comme un second mode de jeu avec un New Game Plus, enfin un New Game à part. Et à côté de ça, ils développent, enfin ils viennent de déployer le cinquième patch où il y a tous les trucs que demandent les joueurs, notamment une relevée encore du poids que tu peux porter et du poids que tu peux avoir dans ta réserve, et des trucs aussi cons comme des petits tags, enfin c'est que des petits bouts de mode qui existaient déjà sur Fallout 4 et qui sont rajoutés maintenant. J'ai l'impression qu'ils mettent des pansements sur une maison en feu. Globalement, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, avec un délai d'environ 3 mois, ils disent des trucs du genre « Ah, vous pensez que si jamais on connaît déjà une recette, dans l'inventaire, il y aurait une petite parenthèse avec écrit « connu », ce serait bien ça. » Et du coup, les mecs disent « Oui, ah ben on va le mettre dans le patch. » Du coup, c'est un peu... c'est de la qualité de vie, mais c'est la qualité de vie qui aurait dû être la qualité de vie du jeu de base. On peut pas saluer les efforts après sortie, mais c'est vrai que globalement ça n'effacera jamais le fait qu'ils auraient toujours dû sortir ça en Day One. Camouflé après sortie qu'il y a eu de l'autre côté, quoi. C'est vraiment là l'équilibre est pas forcément. Ils auraient pu s'arrêter là, genre, globalement ils assurent qu'ils auraient pu. Le problème c'est que plutôt que d'avoir ces trucs là qui sont effectivement accessibles par des mods et que tu pouvais bidouiller à droite à gauche sans forcément que ce soit un problème pour le multijoueur, ils auraient pu laisser faire les modeurs sur ce genre de trucs et dire par exemple on prend les 3 prochains mois et quand on revient l'IA fonctionne. Ça ils ne le font pas. Donc effectivement tu joues toujours à un jeu où tu tires sur des mannequins qui peuvent s'immobiliser à n'importe quel moment. Justement, je sais à quel point les développeurs, je parle pas des dirigeants de Bethesda, ont cru à ce message qui consiste à dire vous inquiétez pas, vous allez lancer le jeu mais vous n'allez pas le sortir et le développement, vous avez encore 18 mois devant vous pour faire le jeu que vous voulez faire. Est-ce qu'ils sont dans la panique ou est-ce qu'en fait, simplement, ils ont une feuille de route en mode vous inquiétez pas, le jeu vidéo c'est ça aujourd'hui. Je pense que de toute façon, maintenant, l'équipe elle est sur les rails, on lui a dit ça va se passer comme ça. Les dernières communications publiques tendent à dire que notre grande prédiction à tous qui était free to play dans 3 mois n'a pas l'air du tout d'être dans les plans de Bethesda qui se refuse à le passer free to play. Si gros aveu d'échec. Effectivement. Même au niveau investisseur et compagnie, en fait, ça pourrait avoir peut-être des répercussions plus grandes que Je pense que l'équipe, effectivement, maintenant, elle est un peu en pilote automatique pendant qu'il y a une autre équipe, d'autres équipes qui sont en train probablement de plancher sur la suite, sur Starfield et sur Elder Scrolls 6. C'est un jeu qui, maintenant, c'est un jeu un peu d'ego. C'est-à-dire que tu peux pas, il y a écrit Fallout dessus, tu peux pas le laisser tomber, quoi. C'est du principe, mais c'est aussi, il s'agirait de pas perdre la face, quoi. Peut-être qu'en interne, les développeurs qui bossent dessus, ils sont juste punis, en fait.
Peut-être, effectivement, qu'ils sont placardés les mais en fait, je pense qu'il existe ce que Gotos disait, notamment publiquement sur les réseaux sociaux, et j'étais d'accord, c'est qu'il existe aussi cette mentalité qui consiste un peu à vouloir un peu désacraliser la sortie des One en disant One, aujourd'hui, un jeu ne sort plus. Enfin, il arrive et Tu le labellises et, Early Access comme Quake Champions. Ouais, mais en fait, je pense justement, ils veulent un peu. Enfin, il y a cette logique de dire, en fait, c'est quoi le début, c'est quoi la fin, qu'est-ce qu'un jeu sorti, est-ce que le Day One c'est abstrait ou pas? Je pense vraiment qu'ils pensaient peut-être avec ce jeu-là se faire les leaders de cette charge justement où le Day One n'existe plus. Où en fait tu peux dire le Day One c'est pas quand c'est dans les bacs, le Day One c'est quand je sors le patch Day One, même si c'est deux semaines après. Tu peux acheter le jeu en fait, si tu peux acheter le jeu, il est sorti, s'il est sorti et un jeu est toujours en développement, etc. Je pense qu'ils espéraient vraiment prendre le contrôle de la communauté. Et peut-être même de. Mais comme ça a été fait avant, hein, comme quand à deux mois de la sortie du jeu, on dit attention, c'est une pré-alpha. Enfin, tu vois, il fut un temps où les mots avaient un sens, monsieur. Et voilà quoi. Ils ont sorti ça aussi en interne aux développeurs. Oui. En leur disant finalement, les gars, il vous manque des trucs, vous inquiétez pas. En fait, vous avez vu Rainbow Six Siege, la courbe, tu vois, 3 ans après. En fait, en disant le début. Enfin, la sortie n'est que le début et pas la fin de votre travail. C'est vraiment tirer toute l'industrie vers le bas, quoi. Je te dis pas que je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à quel point, ça s'est infusé dans leur façon de travailler en disant on a notre temps, on a le temps, en fait. Alors qu'en fait, malheureusement, là, rien que le mois prochain, il y a Anthem, The Division et compagnie. Enfin, des jeux comme ça qui sont très chronophages. Va expliquer à un joueur de rester dessus, quoi. Donc, maintenant, ça se joue simplement sur les passionnés absolus de l'univers. Et les wannabe roleplayers qui se battent contre le système pour essayer de le tordre à leur avantage, mais effectivement maintenant ça va devenir un endroit maintenant, un refuge. Bon, en tout cas, on suivra ça des yeux. Puyo, une nouvelle française, quoique. Quantic Dream, le studio du nord-est de Paris, ne travaillera plus en exclusivité avec Sony pour ses prochains jeux. Sony ne financera pas les prochains jeux Quantic Dream. C'est la fin d'une belle histoire, quand même, qui avait commencé surtout autour de Heavy Rain, puis ensuite... Beyond Two Souls et Detroit Become Human, effectivement. Et bien voilà, malgré le succès, enfin, c'est même pas... Je sais pas s'il faut corréler ou non le succès de Detroit ou la fin d'un long partenariat, parce que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années maintenant. Toujours est-il que le géant chinois NetEase, donc voilà, il y a Tencent, il y a NetEase, c'est vraiment les deux énormes mastodontes, et bien a pris une participation, alors on ne sait pas à quelle hauteur, on sait juste qu'elle est minoritaire au capital de Quantic Dream, et ça a donné a priori les moyens de faire autre chose, et notamment d'amorcer, de devenir une entreprise de divertissement multi-franchise, et de développer des technologies de pointe et des jeux pour le futur, comme le disait le communiqué de Quantic Dream. Ce qui veut dire en gros qu'ils vont développer donc des jeux multiplateformes, sans doute dans la même perspective de jeux très narratifs, avec des choix multiples, puisque de toute façon je pense que c'est quand même leur ADN et c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Oui, c'est pas leur ADN originel, mais ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Effectivement. Pas plus mal d'avoir un studio de mocap dans la poche si t'as besoin aussi, j'imagine. C'est un bon numéro de téléphone à avoir. Effectivement, les jeux ne seront plus exclusifs à la PlayStation. Effectivement. Et multi-franchise, ça veut dire qu'ils vont peut-être enfin faire comme tout le monde, c'est-à-dire des suites. En tout cas, des univers connectés par des jeux franchise, en fait. Alors, on peut dire que les jeux ne sortiront plus sur PlayStation. Il n'y aura plus d'exclusivité. Ouais. C'est une plateforme que nous aimons, nous la connaissons très bien, mais nous allons aussi considérer d'autres plateformes, car nous souhaitons rendre notre création accessible à autant de joueurs que possible. Epic Game Store, voilà. Mais dans 2 semaines sur Epic Game Store. Ce que ça signifie aussi, c'est que le studio va être amené à grandir avec d'autres embauches. Après, c'est difficile de savoir si ce qu'il en est de la part du succès ou non des jeux aux yeux de Sony, des polémiques qu'il y a eu récemment, si ça a pu entraîner aussi, freiner les tensions entre les différentes parties. Ça, c'est des choses qui seront peut-être explicitées plus tard. Parce que moi qui suis assez attentif aux prises de parole de Quantic, il me semble bien qu'ils avaient déjà plus ou moins annoncé qu'ils voulaient faire plusieurs jeux simultanément. Alors qu'en fait, finalement, ils sont toujours plus ou moins restés en schéma, c'est-à-dire ils voulaient être multi-projet déjà de base et peut-être même multi-support. Parce que comme ils n'appartiennent pas à Sony, ils étaient libres, en fait, sortis d'un projet exclusif, de faire les jeux qu'ils voulaient. Apparemment, un peu de mal à gérer un seul projet déjà, avec l'équipe qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu revenus sur cette histoire-là, ils étaient repartis sur l'espèce de nage papillon où ils passaient 5 ans sous l'eau, ils ressortaient, ils lâchaient un jeu, ils repartaient. Je suis assez curieux parce que c'était quand même. Enfin, appelons ça l'histoire d'amour avec Sony, ça donnait quand même des trucs qui étaient quand même techniquement extrêmement cadrés, extrêmement focus. Il y avait une connaissance de la machine. Je pense que c'était aussi un studio qui devait être assez intéressant pour Sony à regarder dans l'exploitation du matos.
Ouais, non, mais c'est, je... Après, NetEase, ils peuvent peut-être avoir de leur côté. C'est bien NetEase, oui, je ne suis pas en train de bien cadrer. Ils ont peut-être aussi d'autres studios dans leur poche qui disent « Ah, attends, eux, ils vont te faire ton portage Switch, eux, ils vont te faire ton portage One. » Comme ils vont rester en lead dev sur... Ils ont investi 100 millions dans Bungie. Oui, c'est vrai. Ils sont minoritaires chez Quantic. Chez Bungie, je sais plus. Chez Bungie, c'est beaucoup. Tu deviens ses copains pour dire « On va te faire faire ton portage là-bas. » Tu t'es invité à soi à Noël, quoi. C'est ça. A priori, le rapprochement, quand même, est pas fin. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me demande vers quoi ils vont aller, mais ce serait une bonne nouvelle en tout cas pour les possesseurs de Xbox et de la future Xbox, j'imagine, du coup, qui seront a priori servis, et les joueurs PC qui pour l'instant, sachant que a priori on n'a aucune chance de retrouver, à part via le PlayStation Now sur PC, les jeux déjà sortis de Quantic Dream sur d'autres supports. Toujours sous contrat. Eux, ils appartiennent à Sony, de toute façon, ça à moins qu'ils les rachètent. Sauf si Epic arrive avec un Chekos. Ça a marché pour Journey, hein. Ah, c'est ça, en fait. Là, c'est pas vraiment le même Chekos. Mais il y a autre chose aussi, il faut voir si ça peut pas devenir plus intéressant dans leur manière à eux de faire des jeux, et peut-être moins des grandes expériences de 20 heures et peut-être plus du Supermassive Games, en fait. Je commence à me demander s'il ne faut pas qu'ils jettent un œil du côté de l'épisodique bien fait, donc celui de Supermassive, qui part vers Man of Medan, justement. Peut-être un peu du double A, en tout cas, sans forcément le dire comme ça. Ça reste plus triple A que tout ce que tu as pu voir ailleurs, mais... Peut-être plus à la Dontnod, finalement, tu vois, des productions qui vont sortir, peut-être... Comme là, veulent faire Supermassive, à savoir une anthologie de petites histoires. En gardant en plus les mêmes personnages de l'un à l'autre, comme ça c'est comme des acteurs, si tu réutilises des assets, il y a moyen de faire ça, et ça pourrait être intéressant. Tu prends un studio français indépendant, qui l'est toujours d'ailleurs indépendant, même si aujourd'hui il est en bourse, et qui fait du multi-franchise, multi-support, bah t'as Dontnod, qui fait donc Twin Mirror chez Bandai Namco, qui fait Focus, Vampire chez Focus, il aura forcément une suite parce que le jeu s'est très bien vendu, Life is Strange, donc la saison 2, on en plein dedans, on en parlera tout à l'heure, donc en fait, ils ont réussi assez vite, alors que c'est en redressement judiciaire il y a 48 mois, à arriver directement sur, il y a 24 mois, à sortir justement d'une seule licence, d'être dépendant d'une seule plateforme. Donc peut-être que c'est un modèle à suivre pour Quantic Dream. Donc on verra, mais a priori, pas d'annonce à court terme. Pourtant, ils viennent de loin, avec Remember Me, c'était pas gagné. Ouais, ils étaient vraiment au bord du gouffre. Hein, donc pour le coup. Explosion Life is Strange aussi, je pense que personne ne l'a vu venir. Donc voilà, donc en tout cas, on verra l'avenir de Quantic Dream peut-être dès le 3 prochain, même si on peut se préparer à attendre un peu de la part du studio parisien. Nodus, un petit mot d'une extension pour Subnautica. Je crois qu'elle est disponible au moment où cette émission est diffusée. Extension, mais pas que, puisque c'est un spin-off, théoriquement. D'accord. C'est un jeu... Enfin, tu n'as pas forcément besoin d'avoir le premier Subnautica pour y jouer. Ouais, c'est un stand-alone. D'accord. Donc tu... En fait, incarne, pareil, un scientifique qui va débarquer sur la planète 4546B, voilà, qui est une planète arctique. Subnautica, juste en une phrase, c'est l'un des jeux de l'année. 9 sur 10 de voilà. Goto. C'est un jeu de survie sous-marin. Voilà, un jeu de l'année dernière, voilà. Qui est, pour le coup, assez, très surprenant et qui je pense, Goto ne me contredira pas. Surtout, en tout cas, en termes de jeu, n'arrête pas de te surprendre. En termes d'ambiance et de... Ah, c'est... voilà, ce genre de choses. Donc là, du coup, le spin-off s'appelle... Below Zero, pardon, oui. Donc, il traite d'une planète arctique. Là, pour l'instant, la version qui est disponible aujourd'hui, donc mercredi 30 janvier, c'est de l'accès anticipé. Donc, tu n'as accès qu'à 1 à 2 heures de jeu. C'est très peu, mais ça permet de montrer la zone de départ et le premier biome. À terme, il prévoit d'ajouter des véhicules. Donc là, dans le jeu original, par exemple, on avait un sous-marin. Là, on aura une motoneige. Fabuleux. Il y a des pingouins avec plein d'yeux. C'est plutôt rigolo. Et par contre, il précise néanmoins que la version, forcément, en accès anticipé, elle est assez buggée. Forcément, c'est l'une des premières versions, donc le framerate n'est pas encore au top. L'optimisation, c'est pas encore ça, mais il prévoit au fil des mois d'ajouter différents biomes pour servir la narration. Chez eux, l'accès anticipé, c'est un accès anticipé, quoi. C'est prévu pour 2020, donc... Et puis c'est un piège, hein, pour le coup, aussi. Alors, normalement, à l'heure de la diffusion de cette émission, on aura normalement fait un GK Live, et j'aurais fait un petit article sur la première heure, on va dire, de jeu, puisque c'est plus ou moins tout ce qu'il y a, peut-être 2 heures, et c'est probablement tout ce qu'on fera sur le jeu jusqu'à sa sortie, pour avoir discuté avec des gens qui avaient fait l'accès anticipé de Subnautica, ils sont là genre oui mais moi je l'ai refait tellement de fois, je l'ai vu tellement changer, etc., que j'ai plus vécu genre dans un musée, où on rajoutait des ailes au musée non-stop, plutôt que le jeu final, mais effectivement on est un peu à bloc. Mais du coup c'est très dur par exemple pour les gens comme moi, qui veulent y jouer mais qui veulent attendre la fin de l'accès anticipé, donc ce sera encore plus dur pour les gens comme moi, comme PlayStation 4, et qui ont la pire version. Parce que si t'as une PS4 fat, oui, effectivement, t'es pas bien. La version console, bon, c'est plutôt Xbox. Non, je vais acheter une Xbox One. Voilà. Donc 30 janvier, donc c'est disponible. Je crois que c'est pour une 20aine d'euros. Et sortie prévue finale 2020. Ok, donc on a le temps de voir les choses arriver. Lunark, un petit mot, Pipo. Oui.
C'était bizarre, je crois que tu m'appelais Lunark, je comprenais plus trop. J'aimerais qu'on parle d'un de mes petits chouchous, qui s'appelle Joan Vinet. Comme bah chaque oui, semaine, en fait. C'est exactement ça. Yes. Joan Vinet, qui est un pixel artiste et animateur qui a bossé chez Tribute Games. Donc, il a bossé sur des jeux comme Mercenary Kings Reloaded, Flint Hook, que tu aimes beaucoup, Yuki. Et à côté, il bossait aussi sur Rivals of Aether, donc le fameux Smash Bros. En pixel art, ou Shovel Knight Showdown, qui sera le Smash Bros. Shovel Knight qui arrive dans quelques semaines. Jeu de baston Smash Bros. Et donc, en gros, bah, il a quitté Tribute Games il y a quelques mois pour fonder Canary Games et vient de lancer un Kickstarter pour ce qu'on voit là, qui s'appelle Lunark. Et on va très vite voir que c'est en gros un hommage à Flashback. Voilà. Il a un jean, il s'accroche de la même manière, il y a juste un peu moins de pixels que dans Flashback. Et surtout, bah, en gros, ça devait être un peu moins méchant que le jeu d'époque, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Flashback, c'était hardcore. Bah là, voilà, il évoque une aventure qui sera short and sweet, donc courte et douce. Et s'il atteint bah, les 46 000 euros qu'il a demandé, bah, on pourra jouer à Lunark autour du printemps 2020, seulement sur PC et Mac pour le moment, et bah, forcément plus de plateformes s'il touche plus d'argent. Et pour le cuisser, au téléphone avec... Je m'inscris en faux, un Flashback, c'était quand même pas insurmontable, les gars. Enfin, il faut... Ok, l'ancien, vas-y, on va passer à autre chose. Mais non, mais surtout Paul Cuisset qui doit attendre avec son avocat à la sortie de ça pour il voir un peu. Marqué Flashback, je ne vois pas le problème. Oui, effectivement. Il n'a pas inventé l'animation et la rotoscopie non plus, Paul Cuisset, va se calmer quoi. Bah non, mais bon, les pixels c'était son idée. Ok, okay. Il a fait Amy. Il a fait Amy, d'accord. Oui, ouais. Et ça, j'ai pas pardonné. Il a fait un remaster HD de Flashback. Que j'ai pas pardonné vraiment non plus. Bref, on sent qu'il y a un contentieux, on va s'arrêter là. Allez, Pouyou, tu vas parler de Dragon Ball, non pas FighterZ, quoique si, il y a du FighterZ. Il y a du FighterZ aussi un petit peu, mais on va commencer par l'action RPG Dragon Ball Z qui a enfin été confirmé, donc c'était à l'occasion de la grande finale mondiale internationale du tournoi sur Fighters. Voilà, on sait désormais, c'est confirmé que CyberConnect 2, donc le studio qui a longtemps fait les Naruto, qui a fait certains jeux de JoJo, eh bien sera également de la partie. Alors le nom officiel du jeu pour l'instant c'est Dragon Ball Game Project Z, enfin okay. Z. Ok. Voilà, a priori c'est paré pour 2019. Le style visuel a fait un petit peu débat, même chez nous. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le sentiment de reconnaître ses petits, même si ça se veut assez fidèle. C'est dur de revenir de, bah, après, de FighterZ. Ouais. Ouais. C'est dur de revenir de là, quoi. Ouais, ça fait un peu fanfic des fois, ouais. Je sais pas comment dire. C'est un peu américain en fait, enfin, tu vois. Ouais. C'est un peu américanisé, ouais. Mais voilà, on a très très peu d'éléments de gameplay pour le moment. On voit juste Goku se balader. On sait que ça va quand même se focaliser sur les premiers arcs. Ouais. De la série Z, donc on oublie Dragon Ball Super et compagnie. Mais Dragon Ball Super, on le retrouve dans le Fighter's Pass numéro 2 avec ses 6 personnages, dont Jiren et Videl qui ont été confirmés. Donc c'est les deux premiers. On connaît également l'identité des deux suivants qui sont Broly et Gogeta Super Saiyan, God Saiyan, Super Saiyan. Enfin voilà. SSGSS. Super Saiyan Blue, on dit. Voilà. Blue, sachant que Broly était déjà là en fait. Là, c'est le Broly du film. C'est le Broly du film qui arrive. Broly chez canon, nous. Voilà. Mi-mars. Effectivement. Et on peut mettre des images du trailer de, je sais pas si peut-être Qbert l'a pas, de FighterZ du. Donc du avec le donc Red Saiyaman qui est partenaire de Videl. Et surtout le jeu a subi un gros patch qui change quand même pas mal les choses. Ça c'est la DA qui fait débat ça. Là on est repassé sur FighterZ. Ouais mais juste avant. Juste avant ouais c'était ça. Ouais. Bon, oh, ça mignon, hein. Je trouve que vous avez une vie compliquée. Bah non mais les gens jouent à FighterZ surtout. Moi j'ai ça. C'est ça le problème. Ouais d'accord. C'est quand même autre chose. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a un énorme patch aussi d'une mise à jour au niveau du gameplay qui change un peu la méta et qui devrait éviter d'avoir des combats interminables et qui donne un peu plus d'options défensives aux joueurs quand on te fait latter la gueule. Donc, a priori, un rééquilibrage pour le mieux. Eh bien, tant qu'on parle de jeux de baston, très vite, Hubert, c'est pas grave si tu n'as pas préparé la vidéo. La plante Piranha est sortie dans Smash, elle est trop cool. Là. Elle est super bien animée, ses attaques défoncent. Et je suis très pressé. Ah, merci Hubert. Je suis très pressé de voir Joker arriver. Et voilà, c'était à peu près tout. Mais elle est très très chouette à jouer. Je suis content de voir qu'ils ont encore de bonnes idées avec des persos où c'était pas forcément garanti d'avoir de bonnes idées. Ouais, bonnes idées, une plante Piranha pour pas commander un jeu. Dans les attaques, il y a plein de chouettes idées et je trouve ça cool. Je crois qu'il y a une match ce midi, il me semble. Il y a une match ce midi. Et ça, c'est un bonus de précommande. Oui, mais qui sera disponible en DLC, étonnamment, dans quelques semaines. Ah, étonné. Et c'est allé aussi avec donc une 2.0 du jeu qui rajoute quelques petits changements très cool, notamment le short hop sur les deux boutons de saut, mais là on commence à arriver au truc où tout le monde s'en fout. Ouais, voilà. C'est fait latter par la stagiaire, ça on l'oublie pas. Il y a eu 3 à 2. Ouais, bah tout est fait latter. Et c'est tout. J'ai oublié de le rappeler tout à l'heure. On sortira les mains, mais je vais lui mettre 9-1. D'accord, je ok. 40-39. Allez, on enchaîne dans cette émission avec un mot de Epic Game Store. Désormais, c'est le rendez-vous de chaque semaine dans l'actualité. Mais un nouvel épisode assez marquant quand même sur l'Epic Game Store, puisqu'une nouvelle exclusivité va apparaître cette année.
Accrochez-vous à vos slips parce que celle-là, on l'a pas vu venir. Ouais. Lundi soir, il était à peu près 17h. Ce storytelling. Voilà. On y est. Un petit communiqué de Epic Games, donc sur l'Epic Games Store, qui annonce que un prochain jeu rejoindra les rangs de la boutique. Ce jeu, c'est Metro Exodus, ouais. qui pourtant sort dans 2 semaines, le 14 février. Était prévu sur PC, PS4, Xbox One, il l'est toujours, mais PC, c'est plus par Steam, c'est maintenant du coup exclusivement par Epic Games Store. Ouais. Immédiatement, les gens ont commencé à gueuler. Forcément, parce que en fait, les gens qui l'avaient précommandé sur Steam auront toujours accès au jeu, mais il a été retiré de la boutique Steam. Tu ne peux plus l'acheter. Les ventes déjà réalisées seront honorées, par contre, ils ne le vendent plus du tout. Et tu ne peux plus l'acheter. Ça a forcément fait gueuler les joueurs. Ce que je comprends d'un côté, puisque toutes les fonctionnalités que tu avais sur Steam, que ce soit la sauvegarde dans le cloud, les captures d'écran, la liste d'amis, etc., c'est pas encore dispo sur l'Epic Game Store, donc tu perds un peu au change. Bien sûr, normalement, c'est février, mais c'est effectivement ça coïncidera peut-être pas avec la sortie du jeu. Ce qui est assez rigolo, c'est toute la démarche derrière et tout ce qui se passe dans les cuisines, c'est super intéressant. Deep Silver et Cormedia ne se sont pas excusés officiellement. Par contre, c'est Valve qui a dû s'excuser sur la page Steam de Metro Exodus avec un petit billet, magnifique. Super agressif d'ailleurs. Moi, je pense que Gaben est un peu salé. Nous pensons que la décision de retirer le jeu est injuste envers les consommateurs de Steam, ce qui n'est pas faux en soi. Oui, mais bon. Oui. Particulièrement après une longue période de pré-vente, nous nous excusons auprès des clients Steam qui attendaient de voir le jeu en vente à la date du 15 février, mais nous avons été informés que récemment de cette décision, nous avons eu très peu de temps pour la faire savoir à tout le monde. Donc ça a vraiment été fait en speed 2 semaines avant la sortie du jeu. On soupçonne évidemment Epic Games d'avoir sorti un chèque assez massif. Ou en tout cas un partage de revenus. En fait, t'as d'une part le partage de revenus, on rappelle. Ça se joue aussi là, j'imagine. Ouais, c'est 88-12 chez Epic et 70-30 chez Steam. Ça fait une différence. Donc ça a dû jouer, mais je pense que t'as aussi effectivement un chèque. Parce que pour sortir quand même un jeu de Steam 2 semaines avant la sortie, faut vraiment, vraiment y aller. Surtout, j'ai l'impression que le problème de Steam en général, alors c'est plus pour les indés d'ailleurs que pour les AAA, c'est moins l'histoire du chèque ou du pas chèque, c'est plutôt la visibilité accordée et l'exposition accordée à une grosse sortie. Et là où Epic, encore peut-être une boutique, ils peuvent un peu ranger les chaussettes dans les tiroirs. Voilà, ils ont encore un petit peu de place. Autant Steam, ça va être très compliqué, quoi. Ils ont aucune volonté de se débarrasser pour l'instant de leur fameux store avec les 6 grosses images là. Et à la vitesse à laquelle entrent les jeux et surtout sortent les jeux, Metro peut rester longtemps, très longtemps sur la home de l'Epic Game Store actuellement. Il va rester, je pense, à mon avis, assez longtemps puisque le contrat d'exclusivité entre Epic et Deep Silver, dure 1 an. Donc dans 1 an, on pourra racheter à nouveau Metro sur Steam. Qu'ils aient eu par exemple un minimum garanti sur les ventes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi je suis éditeur, j'ai passé 3 ans sur un jeu. Voilà. Si je le file à Epic et pas à Steam, je prends un énorme risque aussi. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est donc je crois que c'était 1 ou 2 jours après, la maison mère de Deep Silver. Ouais, THQ Nordic, il faut suivre le feuilleton. THQ Nordic a racheté Core Media qui possède Deep Silver. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, THQ Nordic font leurs affaires dans leur coin, mais Deep Silver font leurs affaires dans leur coin à eux. Ils ont 2 coins différents, mais ils ont une même pièce, mais ils regardent tous les deux un mur opposé. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est THQ Nordic qui a balancé une série de tweets disant la décision de publier Metro Exodus en tant qu'exclusivité temporaire Epic Game Store a été prise entièrement du côté de Core Media. Ouais. Donc en gros, je trouve ça très 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 inélégant quand même de outer. C'est nous qui avions dû le faire, on l'aurait pas fait. Ouais. S'agissant d'une société sœur de THQ Nordic, nous ne ferons pas de commentaires sur le sujet. Nous ne voulons pas exclure de façon catégorique la possibilité. Sauf évidemment ce tweet. Ce commentaire précis. Sauf évidemment ce tweet. Mais voilà, donc eux disent, THQ Nordic disent qu'ils auraient voulu balancer le jeu sur le plus de plateformes possible, donc Steam compris. Mais Core Media a fait ça dans leur coin. C'est rigolo de les voir se tirer les pattes alors qu'ils sont dans le même camp. C'est quand même assez. Là, je me demande vraiment, soit il y a eu un bad buzz phénoménal qui m'a échappé, pour être tout à fait franc, sur cette annonce. T'as eu un bad buzz de ouf parce qu'en fait les joueurs. En sont au point où ils vont review bomb, donc laisser des évaluations négatives sur les 2 précédents Metro sur Steam. Non, c'est débile. Donc la réaction face au bad buzz, et peut-être aussi réaction, on n'a pas envie de se mettre mal avec Valve. Il faut comprendre un truc, le review bomb pour le coup il est plus ou moins justifié parce que les joueurs sont pas contents et ils y perdent de chance. Je suis pas d'accord du tout avec le fait de saper entièrement le travail de Fora Games qui a rien demandé. Les mecs ont fait 2 excellents Metro et ils se retrouvent avec des évaluations négatives alors qu'ils ont rien demandé. Et il y a un dernier truc qu'il faut savoir aussi, c'est que cette petite transition de Epic Game Store à Steam, de Steam à Epic Game Store, a engendré une petite hausse de prix pour nous, puisque le jeu maintenant est vendu 59€ en Europe. Ils ont un meilleur cut, du coup ils vont 59€ en Europe, mais 49$ aux US, ce qui fait qu'on paye 17€ de plus que nos collègues américains, nos confrères américains. D'accord. Et on sait pas pourquoi. On sait pas du tout pourquoi, sachant que sur Steam, généralement, le taux de change c'est 1$, 1€. Epic Game Store n'est pas encore au point là-dessus et le jeu est vendu 17€ de plus, donc c'est.
Alors que tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils virent des nouveaux. Voilà. Ils auraient pu juste virer cette merde et tout le monde aurait été content. On se calme. En tout cas, voilà, la guerre entre Epic et Steam continue. Moi, ce personnage, je trouve ça cool. Enfin, personnellement, même si c'est pénible, voilà, mais après, t'as un launcher dédié, c'est pas non plus la mort. Moi, je jubile dans mon coin, l'entendre. Enfin, c'est fabuleux, regardez. Moi, je suis dans un monde où il faut changer de console à 400 balles pour avoir le jeu d'en face, quoi. Donc, ouais. Là, t'as juste qu'à cliquer sur une icône différente. C'est comme s'il était sur une île déserte tout seul, quoi. Ça va, t'es dans ce monde avec. Mais effectivement, faut comprendre aussi la vie des joueurs qui se sentent un peu baisés parce que t'as précommandé un jeu sur Steam depuis peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, et on t'annonce 2 semaines avant la sortie qu'en fait, non, tu vas devoir y jouer. Sur Steam, donc ils honorent les précommandes Steam. Ouais. Une précision, il n'y a pas de mode multijoueur dans Metro Exodus. Non. Parce que sinon, les précommandeurs enfermés entre eux sur Steam, ça aurait été, pire. Mais du coup, tu n'auras pas de succès. Enfin, si quelqu'un voulait l'avoir sur Steam uniquement pour les succès, ben, il va être tout seul, il ne pourra même pas les montrer à ses potes. Mais alors, en tout cas, on précise aussi que ça se fait dans un contexte où c'est le deuxième gros éditeur à faire ce. Le deuxième triple A. Parce qu'il y a des indépendants qui ont choisi, mais c'est vrai qu'il y a eu The Division chez Ubisoft, qui était un vrai poisson pilote pour la version PC de The Division. Et on peut, là, la crainte qu'on peut avoir si on s'appelle Valve, c'est clairement l'effet d'emballement en disant plus on va être nombreux à le faire. Mais Darksiders aussi, enfin qui est venu bah, pas en exclu, hein, mais je veux dire effectivement, avant quand tu lançais le store au tout début, tu disais oh c'est gentil, il y a le nouveau Super Giant et puis il y a Hello Neighbor et Subnautica. Là tu commences à regarder effectivement les gros trucs qui arrivent dessus, ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux quoi. C'est aussi la première fois je crois en à peu près 10 ans, et ça il faut le signaler, qu'on voit Valve s'excuser pour quelque chose. Ils se sont jamais excusés sur quoi que ce soit, ils ont jamais communiqué. Alors là, ils avaient plein d'occasions de s'excuser pour les trucs qu'ils avaient vraiment fait. Ils auraient pu s'excuser pour, je sais pas, Ricochet, pour Half-Life 3, mais non. Ils sont excusés pour Metro Exodus à peu près 5 minutes après la publication. Je pense que le grand gagnant de tout ça, ce sera Steam et les utilisateurs Steam, parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être obligés de réagir. Ils vont être obligés d'apprendre qu'en fait on peut pas traiter les développeurs comme de la merde et bannir des jeux et bannir des reviews et bannir des utilisateurs parce que pour un oui pour un non, ils vont devoir un peu apprendre l'humilité. Donc là c'est Metro Exodus et The Division, c'est pas non plus Fortnite. Ouais, ce qui serait juste bien aussi, c'est que dans l'histoire Epic Games comme Valve en fait ils font le regard, c'est cool, mais qu'ils n'oublient pas les joueurs en fait derrière. Ouais, bah peut-être ça se ressentira sur le prix, sur le service, mais en tout cas même la distribution, je pense que maintenant si ça joue à des pourcentages de commission pour les gros jeux, ça peut être aussi une bonne chose pour les développeurs. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, Steam est encore un peu sur la défensive, donc les petits mots d'excuses, ça va bien 5 minutes, mais à un moment, il faudra sortir aussi le chéquier. Peut-être une annonce d'un jeu. Ça va se régler comme ça. Je pense plus que ça va se régler sur ce genre de move où ils vont sécuriser plutôt des grosses séries. Ou alors ils vont faire ce qu'on appelle une rockstar, c'est-à-dire balancer sur leur Twitter juste une image rouge avec un logo Half-Life. Ouais. La version PC de Red Dead, et là tout est terminé. J'ai l'impression qu'ils en sont capables là en ce moment. C'est tellement genre, tu voulais un truc, bah tiens, voilà, tu veux un miracle, en voilà. Hein, tu vois, c'était ton rêve d'enfance, tiens. Ouais. C'est la conférence Sony de FF7, Shenmue 3, machin. Sauf qu'elle dure 6 mois. Mais qui dure depuis des mois, quoi. Et c'est la partie pour continuer toute l'année. Mais en tout cas, c'est super intéressant à suivre. Mais le jeu sort toujours le 14 février prochain, donc sur PC, console et console. Et en parlant de l'Epic Game Store, vu qu'il y avait Edith Finch, c'est actuellement le Jackbox Party Pack, le jeu gratuit, qui est un excellent party game à plusieurs. Si vous avez, avant Finch, ça. Non, c'était après. Et donc, si vous avez des téléphones portables et que vous parlez bien et écrivez bien anglais, c'est vachement bien. Voilà. C'est super cool à faire en soirée. Si vous êtes abonné premium et que vous êtes en Belgique, si vous remplissez ces deux conditions, cette news va vous intéresser, Pouillot. Il n'est plus possible d'acheter des loot box dans mon jeu préféré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La commission belge des jeux de hasard a fait plier le géant américain eSports, puisque désormais, depuis le 31 janvier dernier, tu ne peux plus acheter des points FIFA nécessaires à l'achat ensuite in-game de paquets de cartes virtuelles qui sont nécessaires pour le mode Ultimate Team. Alors on le rappelle, Ultimate Team, tu as deux méthodes. Soit tu joues in-game, tu enchaînes les matchs, tu enchaînes les victoires et tu as une bourse d'enchères ou même des paquets que tu peux acheter avec les points in-game. Ouais. Mais sinon, si avec de l'argent réel, bah là tu peux... Est-ce qu'il est en train de daber ? Bien sûr. Tu peux, tu peux pousser une autre monnaie, des points FIFA qui permettent exactement la même chose, sauf que voilà, tu la... Un petit côté pay to win. Un petit côté pay to win qui a fait beaucoup les affaires d'Electronic Arts depuis quasiment 10 ans aujourd'hui. Mais voilà, en Belgique. Passe pas comme ça. Non, depuis 2018, d'autres avaient plié. Hein, 2K Games avait notamment plié pour NBA 2K, Blizzard. Voilà, il y a eu vraiment une polémique autour de qui associe les lootbox aux jeux de hasard. Et jusqu'ici, eSports avait essayé un petit peu de naviguer en eau trouble en disant mais regardez, on a mis les pourcentages d'obtention de telle rareté de cartes.
par rapport au tirage, mais il y a tellement de joueurs dans FIFA et dans Ultimate Team que de toute façon, tu n'as aucune certitude d'avoir celui que tu vises en particulier. Donc, ça finit quand même par être assimilé, en tout cas, pour tomber sous le coup de la décision de la commission belge. D'accord. Et même eSports a dû faire machine arrière là-dessus. C'est une très bonne chose. Sachant qu'en France aussi, il y a des examens sur ce sujet-là, même si pour l'instant, ils ne donnent aucun effet. Mais c'est vrai que oui, ça peut arriver aussi que d'autres territoires, sur l'exemple de la Belgique, se décide à titre de précaution des consommateurs de suspendre ce genre de transaction. Ça reste le marché belge, donc l'éditeur a dit que ça n'aurait finalement qu'un impact très infime voilà, sur les résultats annuels de l'entreprise, notamment sur la part du dématérialisé qui est de plus en plus, enfin qui est majoritaire hein, chez les Electronic Arts. Si ça arrive en Angleterre, là par contre, mais par contre, si ça arrive en Angleterre, oui, là ça risque de leur faire un peu drôle, je pense. Ok, bon, ben en tout cas, c'est une affaire à suivre du côté de chez Electronic Arts et FIFA, et bravo à nos compatriotes belges. Une fois de plus, on gagnerait à s'inspirer de la Belgique. Bah, grand débat national, dans ta mairie, frère. exact. Une doléance. Ce qui est ouf quand même, c'est que vous avez passé, enfin, je te vous vois pour vous, vous avez passé genre 4 mois à narguer les Belges après la Coupe du Monde, et maintenant c'est merci les gars. Oui, mais ça n'a rien à voir. On les a niqués sur le terrain, désolé. Quoi. Ouais. Bref, alors, encore des tranquilles. Mais on va terminer cette news par un jeu qui nous fait extrêmement envie. Puisqu'on va parler d'Anthem. Anthem, donc ça sort dans. Ironie débordante de ton propos. Mais il n'arrive pas à déborder de quoi que ce soit, t'as vu son état. Je suis mal à crever. Alors, Anthem sort dans un mois à peu près. Et Electronic Arts dit que ce serait une bonne idée quand même de commencer un peu à voir la température de l'eau. Et donc à organiser une démo VIP. Voilà, pour virer une portion de personnes. D'autres l'ont fait, hein, commercialiser des bêtas et des moments de testing d'un jeu. Fallout 76 l'avait fait. On peut très vite, parce qu'on dit VIP, c'est une démo payante. Point. Voilà, enfin, c'est une démo payante. Voilà. C'est, si tu es abonné EA Access ou si tu as précommandé le jeu, tu pouvais, théoriquement, le week-end dernier, jouer à Anthem VIP démo hashtag. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, puisque eh bien, c'était un stress test, et un stress test, c'est fait pour faire stresser des serveurs. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour être vendu, c'est fait pour commencer petit et ouvrir au fur et à mesure les vannes, ouais. Avoir une équipe qui va bosser tout le week-end en se faisant insulter en plus. Sauf que là, il se faisait insulter par des gens qui avaient payé, donc ça a tout de suite pris un autre tour. Effectivement, c'était très difficile d'accéder à cette démo, que tu sois sur PS4, sur Xbox One ou sur PC. Il y a eu trois, on va dire, gros problèmes récurrents qui ont été identifiés, tant et si bien qu'à la fin, pendant que les équipes essayaient de débugger ça, l'équipe de community manager, qui également n'ont pas dû dormir ce week-end, ont commencé à nous filer des petits tips, genre oui, rechargez à ce moment-là votre loading et vous allez pouvoir réussir à jouer, ce qui m'a permis de jouer un petit peu en plus de ma prise en main presse. Et donc, dans ces cas-là, en fait, puisque en fait, il y a pas mal d'experts qui se sont ou de personnes voilà qui bossent dans l'IT et qui bossent dans les gestions de serveurs, dans le load balancing, etc. Qui sont un peu emparés du truc pour expliquer aux joueurs déjà que c'était pas du tout les mêmes métiers, que ça ne dit absolument pas rien, que ça ne dit rien de la qualité du jeu et que surtout en fait la virtualisation et les simulations ça a 20 ans. C'est-à-dire que tu peux effectivement passer beaucoup de temps à essayer à te demander comment tes serveurs vont réagir, mais tu ne sais pas, tu ne sais jamais comment ça va se passer le jour J. Les plus grosses boîtes sont obligées de faire ce genre de test. Exactement. En fait. Après, t'es pas obligé de le vendre, et c'est là qu'est l'erreur effectivement. Et donc, Chad Robertson, le directeur des services en ligne chez BioWare, me semble-t-il, s'est exprimé, a écrit un petit billet de blog, et la meilleure des réponses était d'être transparent, et de dire bon bah voilà, ça s'est mal passé, je vais vous expliquer ce qui s'est mal passé, et en gros. Ce qu'on saura pour la suite, et aussi vous expliquer à combien en fait vous êtes. Alors il faut savoir que c'est un gameplay solo, je le dis pour tout à l'heure. C'est pour ça que la barre de vie a l'air extrêmement épaisse. Hein, voilà. Et dire simplement non, on n'aurait pas pu prévoir. C'était obligé de casser. C'était fait pour casser à la limite. Et donc, en prévenant qu'il y a évidemment beaucoup de boulot qui est mis en place pour que ça se passe mieux pour la démo de ce week-end. Quand sort cette émission, en fait, il y a une démo publique accessible pour tout le monde qui dure également 3 jours. Là, c'est vrai, mais t'as mis le feu. Et c'est un peu le day of reckoning, ouais. Parce que là, ça va être. C'est la dernière, on va dire, prise de parole publique du jeu avant sa sortie, enfin, le 22 février. Surtout que connaissant même quelques développeurs et pas les
les moins prudents. Je sais qu'en général, eux, c'est eux qui vont réclamer ces tests-là, en fait. Ils vont surtout dire, les gars, ils vont appeler en disant, les gars, il faut vraiment faire le test maintenant, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de savoir comment on peut optimiser, etc. Et même en te disant ça, et en te disant, oui, mais vous en avez fait plein des jeux, ça fait 10 ans que vous en faites, vous devriez savoir. Ouais. Sauf qu'en fait, les technos, elles évoluent, c'est pas les mêmes, chaque jeu est... Il y avait un responsable, un mec qui bossait vraiment, donc c'était vraiment ce métier-là, qui disait sur Twitter, chaque jeu est un peu son propre monstre, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dire, oui, mais ça a marché avec cette techno-là il y a 10 ans, donc on va réappliquer les mêmes recettes, les mêmes chiffres, etc. Je trouve ça toujours un peu ironique, hein, ça me rappelle un peu le cas Fallout 76 il y a quelques mois, que les plus fidèles et les plus fervents, ceux qui précommandent les jeux, ceux qui les payent les plus chers, ceux qui sont vraiment dans l'adhésion, qui font parler du jeu, qui d'ailleurs, parce que quand t'étais dans cette bêta, hein, on va l'appeler comme ça, t'avais moyen d'inviter tes potes, donc t'étais un peu aussi un ambassadeur. Ouais, tu faisais découvrir en thème à des potes, quoi. Oui, mais voilà, mais là c'est là que tu mélanges les torchons et les serviettes, c'est parce que voilà, les développeurs et les techniciens en avaient besoin pour savoir comment le jeu se comportait, et les joueurs en avaient besoin parce qu'ils avaient payé pour y jouer. Ouais. Donc c'est vraiment des intérêts qui sont pas du tout faits pour se rencontrer sur une démo. C'est un peu idiot, mais c'est ni la première fois ni la dernière fois que ça arrivera, puisque ça se vend, enfin ça s'achète, donc ça va continuer à se vendre. Et en gros, le petit cadeau, puisque dans ce genre de jeu, quand tu es dans un jeu service, la coutume veut qu'on fasse des petits cadeaux pour des dédommagements, etc. Là, voilà, c'est une série de skins pour les robots qui ont été offerts à tous les abonnés EA Access. Non, mais voilà, c'est-à-dire que ça va être la monnaie au fur et à mesure, puisque le jeu va, à la manière d'un Warframe, va entièrement se monétiser sur le cosmétique. Donc là, ils offrent du cosmétique comme une excuse pour dire on vous a vendu un stress test et surprise, il a stressé. Oui, je sais pas, parce que à mon avis, c'est aussi une façon un peu de faire balader des joueurs un peu mieux sapés que les autres. Oui, aussi. Et en disant, au fait, voilà. Pour le premier jour, ça marche toujours bien d'avoir effectivement 2-3 mecs un peu bien sapés quand tu vas vendre des skins et des casques et des plastrons, effectivement. Mais ne soyons pas cyniques, puisque derrière ces petits déboires pré-lancement, il y a un jeu qui se prépare à sortir dans quelques jours, quelques semaines exactement. Et Gotos, donc comme on le disait, tu as pu essayer en thème en détail et plus loin évidemment que ceux qui ont pu tester cette démo payante. Donc on va regarder une petite vidéo qui resitue un petit peu l'ambiance et le cadre du jeu, puis on en parle juste après. Sur le plateau, donc, après ces quelques images de Anthem qu'on a évoqué à la fin du point news, ce sera donc le premier des deux jeux de cette émission. Anthem, Gotos, t'y as joué, c'était pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est probablement la dernière avant la sortie et le test du jeu. Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour la fin du mois de février, et tu as essayé donc une version qu'on peut considérer comme finale ou quasi-finale. Oh, surtout pas. Bah non, les versions prévues, tu sais jamais à partir de quand ça a branché par rapport au développement, d'accord, donc si ça se trouve, elle a quelques semaines, voire peut-être un ou deux mois de retard par rapport à l'avancement, ça on ne sait pas. Mais donc on a joué sur PC en 2 sessions de 2 heures, la première sur le tout début du jeu avec le tuto et le début de l'histoire, et ensuite sur du contenu endgame, donc les raids post-fin de jeu. Et donc ce sont mes captures, donc vous allez voir parfois de la maîtrise et parfois la capture de quelqu'un qui vient de découvrir une arme, etc. La fin du jeu. Donc là on est plutôt sur le début du jeu, j'avais pris l'un des 4 javelines qui sont ces exosquelettes qui te servent à explorer et combattre, et c'est le Tempête, et là je suis en train de découvrir le fameux système de combo qui est hérité de Mass Effect Andromeda, comme beaucoup de choses dans le jeu. Il faut vraiment le voir, alors pas simplement comme un Destiny avec un jetpack, mais plus comme un Mass Effect Andromeda multijoueur avec de l'exploration, etc. Même si effectivement Destiny est très lourdement passé par là dans le développement d'Anthem. Justement, on va peut-être commencer par là. On va placer directement les choses. C'est effectivement un jeu service qu'on pourrait classer comme un shoot and loot, on va dire ça comme ça. Donc tu tires, tu tues, tu ramasses une arme, elle est plus puissante que la précédente, tu l'équipes, tu vas pouvoir aller tuer plus fort, etc. C'est ces fameux jeux de grinding entre amis où tu te retrouves également aussi du The Division, où tu retrouves Warframe, et Anthem se place un petit peu entre Destiny et Warframe, on va dire, puisque voilà, c'est des exosquelettes, c'est-à-dire que tu peux en posséder plusieurs. C'est pas ton héros qui évolue, c'est tes robots. Et donc, vous vous souvenez peut-être du reveal du jeu à l'E3 2018, cette espèce de plongée incroyable dans le vide avec ton robot qui vole
avec ce réacteur dorsal, etc. Et ça, ça va être un peu effectivement le mode de déplacement principal du jeu, qui sert aussi dans les combats. Et donc ça, c'était une mission de bas niveau où je suis en train de découvrir, en gros, des personnages qui ont un peu plus de fonctions que tirer, dasher et lancer une grenade, puisque effectivement tu dashes, tu lances une grenade, mais tu passes aussi en vol, puis en vol stationnaire. Ouais, t'as l'air assez à l'aise en progrès qui débute sur le jeu. Tu tapes au sol, et encore là je suis au clavier souris, et le jeu a un vrai problème de contrôle, notamment aérien au clavier souris. Il y a des officiels de chez BioWare qui ont pris la parole pour dire, notamment après la démo, rassurez-vous, on va vous refaire le modèle de vol, parce que vraiment toute la communauté PC est partie en mode, ce jeu c'est de la merde. Oui, ils arrivaient même pas à faire un virage dans les airs sans en foutre partout. Enfin, c'était terrible. Et du coup, en fait, tu as donc ces deux armes, cette grenade, et puis la possibilité de voler, de frapper le sol, machin. Mais également des points d'emport, comme un vaisseau sur toi, avec effectivement, soit une grenade, ou par exemple, dans le cas du Tempête, une projection élémentale, un autre qui va pouvoir taper au sol pour débloquer un bouclier pour son équipe, ou un buff de groupe pour son équipe. Évidemment, celui-ci qui est c'est vraiment le Iron Man de l'équipe, c'est le commando. Je suis très impressionné par ce que je vois. Hein. Je tiens à te dire, pour un début de jeu, t'as l'air déjà archi puissant, quoi. Ben, en fait, pas du tout. Le but, c'est de donner l'impression que t'es toujours puissant, hein, mais que c'est toujours plus dur. Enfin, c'est le but exact du jeu. Et puis, donc, celui-ci a également un point d'emport sur l'épaule, sur lequel tu vas pouvoir mettre, certes, peut-être un lance-missile, mais aussi peut-être un lance-onde de choc, etc. Et c'est là qu'on rentre dans la différence première du jeu. Qui est que son système de combat n'est pas juste du tir et concentrer le feu sur les bonnes cibles. C'est un petit peu plus tactique dans le sens où tu vas avoir un système de combo très simple avec des mèches et des détonateurs qui vont te permettre de dévorer des barres de vie qui normalement, si tu ne fais que vider des chargeurs dedans, sont probablement les plus grosses éponges de ce genre de jeu qui est basé sur les éponges à cartouches. C'est-à-dire que tu vas vraiment parfois te dire, mais c'est désespérant, je suis en mode normal et ça descend à peine, regarde, tu vois, je lui arrache à peine sa barre. Sauf qu'en fait, là, je devrais être avec mon collègue d'à côté en train de tomber d'accord pour lui péter un combo qui lui arracherait et le bouclier et la moitié de sa barre de vie. D'accord. À partir du moment où tu as compris le système de combo et où tu as appris soit à te créer tes propres combos avec ton propre équipement, soit à te mettre d'accord avec un copain, tu commences à vraiment, genre tu divises, je dirais par 5 le temps passé sur une barre de vie et donc sur un boss. Et c'est là que tu rentres vraiment dans la partie intéressante du jeu parce qu'effectivement, tu vas parler un peu stratégie, d'autant que quand tu déclenches des combos... C'est de la vraie coopération, c'est pas genre plusieurs joueurs qui jouent seuls ensemble. C'est pas le truc le plus prononcé du monde et le plus profond du monde, mais ça fonctionne assez bien, d'autant que tout est assez dynamique. Si vous êtes OK avec le principe de déplacement du jeu qui est que Destiny, c'est un peu comme si t'étais dans l'eau, mais t'es tout le temps dans l'eau, t'es jamais arrêté. Là, c'est que des départs arrêtés et des arrêts d'urgence. D'accord. C'est genre, pac, tu t'arrêtes, tu te plantes dans le sol, tu te relèves façon Iron Man, ça prend du temps. Il y a des joueurs à qui ça va déplaire, c'est certain. C'est probablement d'ailleurs, en termes de déplacement, le moins universel des jeux du genre. Warframe, c'est hyper acrobatique. Ça plutôt fluide, ça fait très envie, mais une fois que tu te poses au sol, si t'es sous le feu ennemi et que t'es encore en train de poser ton genou et qu'il est en train de se relever doucement, il y a des moments où effectivement le robot ne fait pas exactement tout de suite ce que tu veux. Ouais. Parce qu'il voulait à la fois transmettre le poids et la vitesse, et du coup il fallait mettre de l'inertie. Alors on voit quelques mécaniques de coop, j'aurais juste réglé un malentendu dès le départ. Sa composante multijoueur, ça consiste en quoi? Est-ce que ça... C'est du pilotage à la souris et tu le sens. Il y a des joueurs qui se baladent. Sa composante multijoueur, ça va être que effectivement. Là, le petit coup dans le mur, ça marche toujours. Sa composante multijoueur, ça va être que tu peux grouper jusqu'à 4 pour faire des missions qui sont soit des missions de l'histoire, puisqu'il y a une histoire, comme dans tous les jeux du genre, soit des activités qui sont souvent un peu la même chose, hein, c'est-à-dire quand même nettoyer des bases, nettoyer des arènes, etc. Et là, on voit un petit peu de l'histoire, et ça me permet peut-être déjà de prévenir les gens. Oui, c'est BioWare. Non, c'est pas un RPG. C'est absolument pas obligatoire pour eux d'en faire un, et ils le font pas. C'est-à-dire que oui, effectivement, ils vont essayer de se faire plaisir sur le storytelling. Mais quand tu reviens à la base, qui est en fait une base où en fait chacun rentre dans la base, elle est hermétique aux autres joueurs, et tu y vis ta partie storytelling comme si tu étais le seul héros.
D'accord. D'accord. Donc à Fort Tarsis, qui est l'espèce de dernier havre de paix. Donc c'est instancié sur toi. C'est instancié sur toi et uniquement toi. Tu discutes avec des PNJ, il y a des gens avec qui tu sympathises, des factions à qui tu peux dire oui ou non sur des missions. Mais il n'y a pas de choix et de conséquences. Ou en tout cas, on n'en a pas vu. Et le personnage, globalement, il renvoie la balle durant les dialogues. Mais pas non plus, il n'a pas l'air de s'imposer. C'est clairement pas un Shepard, quoi. D'accord. Voilà. Même si tu choisis quand même un visage en début de jeu, et tu lui choisis une voix masculine ou féminine, mais c'est tout. D'ailleurs, j'ai une question en termes de direction artistique. J'aime assez ce qu'ils ont fait sur les persos. Mmh. Est-ce que tu as vu d'autres décors que des ruines dans la forêt ou des grottes ? Mais pour l'instant, j'ai vu la première zone, qui est la zone qu'on a découvert à l'E3 au reveal du jeu. Donc, c'est effectivement cette ruine dans la forêt, ouais. Un peu moussue, etc. Et ensuite, effectivement, de la grotte. Ça, c'est un raid de post-game. Pour vous mettre un petit peu dans le truc, je suis avec une autre armure, puisque c'est l'armure du Colosse. Qui, par exemple, elle n'a pas de bouclier énergétique, elle a un bouclier physique et il faut le déployer. Et je ne l'avais pas encore compris durant cette capture. pour l'instant, effectivement, j'ai surtout vu ces environnements-là. Ça ne m'a pas trop gêné parce qu'il y a plein de trucs, c'est vallonné, il y a des passages sous des pics rocheux, etc. Ce qui m'a plus embêté, c'est que sur les raids de post-game, j'ai croisé les mêmes factions et les mêmes types d'ennemis que j'avais croisés dans les premières missions du jeu. Ça m'emmerde. Ce qui me pose une question par rapport à la variété du bestiaire. Voilà. Du placeholder après, comme c'était une. C'est peut-être. Non, pas. Placeholder à 2 mois de la sortie. À 1 mois de la sortie, je suis pas sûr. À 2 mois en comptant le petit délai, je suis pas sûr. C'est pas un problème qu'a déjà Destiny ? C'est une vraie question. C'est un problème qu'a l'air d'avoir Destiny, même si effectivement, il semblerait qu'avec avec la dernière extension, ils aient pu introduire ou réintroduire ce genre de choses. Il y a eu 2 extensions pour faire ça aussi. Voilà. Effectivement. Voilà. C'était pareil avec la capuche. Hein. C'est vrai, et abonné. Voilà, au level, ils avaient abonné, attention. Là, je me fais un peu éclater durant les captures, mais en gros, pour faire très simple, et on redéveloppera autour du test, les sensations de tir, même si c'est pas les armes qui font le plus de bruit du monde, les sensations de tir et de mouvement, quand tu les maîtrises, sont assez plaisantes, surtout quand tu maîtrises le système de combo. Grosse erreur de la démo VIP, aucun tuto, personne n'avait compris les combos. Et c'est en toute fin de démo que les habituels sites genre VG247 sont arrivés en disant « Connaissez-vous les combos ?» Sauf que c'était déjà trop tard. Et là, on va rentrer dans le segment inquiétude de ma preview. Ouais. Et il y en a beaucoup trop. D'accord. C'est un problème. C'est-à-dire que le cœur de jeu et les sensations, moi, je suis à bloc. Ouais. Mais autour, tu as un jeu qui est perclus de chargement, extrêmement long. Ah, et d'accord. Quand je dis extrêmement long, c'est Bloodborne long. Ouais, voilà. Et là, on est bien d'accord, on est très et que les gens comprennent bien ce que Goto essaye de vous dire. On ne parle pas de la démo VIP. Donc les chargements étaient très longs, soit tu as vu la preview. Ouais, j'ai vu la preview, donc une branche preview sur des PC avec évidemment SSD, etc. Beaucoup de chargements, très longs. Et quand je dis beaucoup de chargements, c'est-à-dire qu'un briefing de sortie de mission, c'est 2 chargements. Et ensuite, quand tu reviens à Fort Tarsis, pour ouvrir la forge où tu peux changer enfin ton inventaire, c'est un chargement. Sur un PC qui coûte plus cher que ma voiture. C'est un peu embêtant. Donc là, c'est l'ulti, donc c'est littéralement, je pense que c'est des têtes nucléaires. Le feeling des pouvoirs, que ce soit explosion, truc de plasma électrique, machin, ça a l'air super cool. Le feeling, les macros du Ranger sont hyper cool aussi. Tout fonctionne assez bien, et surtout, vraiment, chacune des classes, quelque part, t'oblige à réapprendre, même si elles ont les mêmes bases, elles volent, elles tapent au sol, etc. C'est vrai que c'est un jeu qui est très satisfaisant visuellement. Enfin, moi, je le trouve très satisfaisant, mais c'est aussi vraiment parce que à un moment, j'ai cédé au pouvoir du pad pour tout ce qui était vol, etc. Ouais. C'est clairement un jeu qui est fait pour le pad, comme beaucoup de TPS. Et il va falloir qu'il fasse un effort vraiment sur la partie PC. Et ça m'amène à un autre truc. Ouais, on revient sur les défauts. L'interface, déjà, est assez ratée, vraiment. En toute chose, il y a trop de volets, il y a des volets dans des volets. Et en plus, l'adaptation au PC, elle est digne des derniers Fallout, avec appuie ici pour faire ça, mais appuie ici pour faire ça, etc. C'est pas du tout adapté, tu sens que le PC c'est un portage. Et donc c'est un souci. Et à côté de ça, tu vas aussi avoir pas mal de questions par rapport vraiment à la rythmique du jeu. Donc j'ai déjà parlé de ces chargements. Mais il y a aussi le fait que, contrairement à un Destiny, et plus dans l'esprit d'un Warframe, sauf que Warframe a des missions extrêmement courtes avec des objectifs extrêmement simples, là, en fait, tu ne peux pas changer ton inventaire durant une sortie. C'est-à-dire qu'en fait, tu lootes des objets, on ne te dit pas ce que c'est. Quand tu as le débriefing de fin de mission, on te dit ce que tu as looté, et ensuite on te laisse accéder au garage et changer ton équipement. D'accord. C'est-à-dire que si tu joues pas avec des copains, que t'es pas à haut niveau sur Discord, etc., que t'es juste en matchmaking, que tu te retrouves sur un raid, parce que les raids seront matchmaking aussi, ou même sur une forteresse ou un truc, et que tu découvres qu'il n'y en a pas un dans la boutique qui a un truc qui combote avec ce que t'as dans les poches, t'es tout seul, ouais. Et ben t'es bloqué.
t'es face à un mur, et dans ce cas-là, ça nous arrive hein, pendant la preview, à un moment, on s'est dit, bon, bah là, de toute façon, en fait, en ce mode de difficulté-là, il vaut mieux abandonner le raid plutôt que d'essayer, parce que personne n'avait un truc qui combottait les uns avec les autres, ou ne savait l'utiliser correctement, etc. D'accord. Alors que tu pourrais pouvoir te dire, bon, je suis avec des branques, mais je m'en fous, je vais dans mon inventaire, et je fais mes combos tout seul. En fait, il faudra un truc presque comme Overwatch, au moment où les persos choisissent leur truc, on te met un warning, attention, il n'y a pas de tank, attention, il n'y a pas de healer, attention. Par exemple. Là, ça serait bien de dire, attention, vous allez avoir un tel type d'ennemi, vous n'avez pas l'arme qu'il faut pour aller avec. Mais ça, mais pour moi, c'est vraiment le truc le plus aberrant, parce qu'en plus, ça te fait un, ça te fait un rythme de jeu. Ils ont fait la moitié du chemin, mais pas l'autre. C'est con, parce que un jeu qui, justement, essaie un peu de réhabiliter la coopération entre les joueurs, moi, je suis content d'apprendre ça. Mais effectivement, si c'est contre nature et qu'il faut à chaque fois revenir au hub pour le changer... Surtout avec des chargements pareils. Et puis, quand tu fais du free play, tu commences à looter des trucs, etc. Mmh. Tu te dis, cool, je suis en free play. Je me balade autant que je veux en free play. Ouais. Sauf que là, en plus, là, c'est plus un truc genre... Connais-tu Monster Hunter ? On va rentrer... Tu vas pouvoir étudier tout ça à la maison et ensuite tu te referas un loadout pour sortir. Voilà. Et c'est un peu dommage. Et en fait, ça dénote globalement, j'ai l'impression que le jeu a un petit souci, c'est qu'il se destine vraiment à des joueurs, à des tryhards hardcore. Il a genre 6 niveaux de difficulté. Ouais, il vise vraiment genre le tourment niveau 3 à la façon Diablo. Voilà, et c'est vraiment le plus proche des Diablo pour moi. Mais à côté de ça, il n'a pas confiance en sa communauté. Et il lui dit par exemple, effectivement, j'ai pas les couloirs d'un Destiny. Mais moi, dans ces zones ouvertes dans lesquelles je te mets des ouvertes et en extérieur dans lesquelles je te mets des missions, je te mets des zones de combat à la Battlefield. Et si tu t'éloignes, je te balance un chargement et je te ramène à ton équipe. Ils sont obligés de faire ça en termes de calcul. Enfin, ils peuvent pas. Bien sûr, en termes de calcul et même juste pour garder la tension d'une mission, etc. Mais là, c'est tellement proche. Ouais. Parfois, tu veux juste voir s'il y a moyen de te mettre sur ce pic rocheux pour utiliser ton sniper. Et là, le truc est dit, t'as 3 secondes pour rentrer dans la zone de combat, sinon je te mets un chargement. Et parfois, t'as un réacteur dans le dos. Juste le fait de vouloir t'envoler. Ouais. T'arrives un petit peu trop haut dans les cieux, il y a un vent qui arrive de l'espace et qui te repousse dans le jeu. Ouais. Et c'est des trucs comme ça où tu dis, mais laissez-nous faire. Nous, on veut y jouer sérieux, laissez-nous parfois se dire, les gars, je m'éloigne vraiment beaucoup parce que j'ai besoin de recharger mon bouclier ou des choses comme ça. Ouais. Et là, en fait, le jeu, il fait non. T'as un côté un peu Disneyland finalement, où globalement, on te rappelle que t'es dans un parc d'attractions et genre, regarde dans cette direction-là. T'as un côté un peu, on vous a pas mis les couleurs de Destiny, mais on vous les met quand même. Ouais. Et ça, effectivement, ça te saute assez vite à la tronche et ça peut être un problème. Et voilà, le jeu a également une IA où parfois elle met un certain temps à réagir, etc. Ouais. Et il y a pas mal de trucs qui ressemblent à des erreurs de jeunesse, effectivement, d'un studio dont c'est le premier jeu. Ouais. Typiquement, l'aberration, pour moi, de l'inventaire que tu peux pas... Enfin, que tu n'es pas du tout flexible par rapport à ton équipe. Et à côté de ça, moi, tout ce qui est feeling, etc., enfin, best jeu Iron Man, quoi, tu vois, c'est genre, tu dis... Les images font super envie, mais ce que tu me dis, me fait un peu peur. Tu dis, ok, je suis méga chaud. Alors qu'au début, effectivement, quand tu vois les premières barres de vie, quand tu lances la première fois, on a eu l'occasion de faire un raid, de tenter un raid en Grandmaster 1, alors qu'on n'avait pas bien compris nos armes. Bah, laisse-moi dire que là, t'es à 4 en train de mitrailler un truc, la barre de vie, elle bouge pas. Et tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a un type qui rentre et qui dit, attendez, on va peut-être essayer ce combo. Et en fait, ça arrache directement un quart de barre de vie. Et tu comprends qu'il y a une vraie envie de te dire, en fait, il faut même que tu les empiles, les combos. Il faut que tu fasses des setups de combos et que tu dises, les gars, quand on arrive sur le raid, on le connaît par cœur, on va arriver comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas faire une aura de glace qui va mettre de la glace tout autour. Et moi, j'envoie tant et tant de roquettes. En fait, ils veulent vraiment des mécaniques de MMO. Bah, quelque part, ça te permet de... T'es en train de nous raconter un raid sur un gros boss dans un MMO, Ça pourrait. Alors, pour les raids, pour l'instant, je peux pas vraiment chiffrer. Je peux vous dire qu'on a joué à 2 raids différents en post-game. Ce qui est... et je voudrais pas dire de bêtises parce que j'étais pas là au lancement de Destiny. Ça fait au moins un raid de plus parce que je crois que Destiny 2 s'est lancé avec un seul raid au départ. Et il y en avait un troisième sur la carte où ils nous ont dit bon, celui-ci n'allait juste pas jouer dedans, il s'est glissé dans la build par hasard. Donc en gros, ça veut dire au moins 3 raids, c'est ce qu'on sait, avec des trucs assez, on va dire, quand même spectaculaires, etc. Mais là, tu vois par exemple que l'IA, voilà, elle est un petit peu, elle prend un peu son temps, etc. J'aimerais bien juste rapidement avant de conclure, faire un petit tour de table, messieurs, ce que vous en pensez de l'anthème. Question rapide avant qu'on fasse le tour de table. C'est la question du con, hein, la question à la con. Est-ce que je peux y jouer seul à ce jeu? C'est la meilleure des questions, tu fais très bien de la poser. Tu peux. J'ai très envie d'y jouer en solo, en fait tu j'ai peux pas envie de m'emmerder et jouer avec des gens. Tu peux, dans la mesure où, en fait, les classes sont effectivement. Tu peux les hyper spécialiser, t'as des runes, des machins, et en plus, à chaque fois que tu ressors de,
Fort Tarsis, tu peux te refaire une nouvelle build. Ah oui, c'est ça, de jouer avec d'autres robots et tout. Et les sauvegarder et les garder dans le garage. Donc tu peux avoir des trucs qui combattent entre eux et être déjà un peu pépère tout seul. C'est-à-dire que tu t'emmènes quand même des IA avec toi à chaque descente Non. Tu peux faire des combos toi-même avec juste ton voilà, arsenal. Tu peux décider d'avoir un truc dans la main gauche, un truc dans la main droite qui font des combos. Après. De ce que je vois un petit peu du nombre d'ennemis que tu peux avoir dans les missions, etc. Qui change peut-être en fonction du nombre de joueurs voilà. aussi. Et du plaisir aussi de voir un type qui passe en rasmote, certes à vitesse assez basse, parce que vous imaginez bien que c'est un peu fantasmé les vitesses, hein. C'est un peu un mec qui plane façon steep, mais en remontant comme ça. De voir un type qui passe sur l'espèce de givre que t'as mis partout et qui fait réagir ça avec un combo, c'est un truc aussi assez... Je l'ai essayé vraiment, hein. J'ai essayé d'y jouer plusieurs heures, notamment durant la démo en full solo, en fermant ma partie. C'est faisable, tu t'amuses et ça, tout est assez sympathique à faire. Tu perds quand même un truc. Mais tu perds un truc. Okay. Et en plus, BioWare avait été assez clair là-dessus, ils avaient dit c'est faisable, mais c'est moins cool. Voilà. ça je peux comprendre. La viabilité justement en solo. Ça typiquement là on est en train de se faire éclater, il n'y a personne qui a compris les combos de ceux d'à côté. Au niveau du jeu, t'as plein d'idées. Hein. Du coup, un tour rapide de table, qui est chaud pour un thème? Moi, je suis chaud, franchement. Ouais. Je trouve que c'est hyper dynamique, hyper vif. Le côté Iron Man me séduit instantanément. Évidemment, on dit ça, blaf. Au pas beau, hein, on rappelle. Grosse question par rapport à l'opti console. Ouais. Vraiment. Alors, ça me fait flipper. Alors, on peut en parler en revanche. Moi, j'ai joué sur PS4 Pro pendant le week-end démo. Alors, évidemment, c'était, encore une fois, on va le dire, la build démo. Capé à 30 FPS, chute régulière dans les 24-25. Là, ça me plaît, mais si c'est pour jouer. Mais les gens qui jouaient à la démo VIP avec leur gros PC n'avaient pas ce rendu là plus. Okay. Ils avaient du stutter et plein d'autres trucs et clairement BioWare ils nous ont amené la bécane. Mais globalement la démo PC VIP, les gens avaient du mal à monter au-dessus de 1080p. Parce que sur certaines configs, Mais alors après, voilà. On est en train de nous dire qu'il pourrait y avoir des déçus sur le rendu final. A priori, pour l'instant, la meilleure version console, c'est du côté de chez Microsoft One X et PS4 Pro. Le cap à 30, effectivement, ça. Bon, d'autant que, il faut bien se dire aussi que. Quand vous regarderez la vidéo de l'E3 2018, il y a évidemment eu un downgrade. Hein. C'est un jeu qui est très beau, mais cette espèce de troupeau de rhinocéros sortis de Jumanji, qui ont l'air d'interagir les uns avec les autres et de soulever une poussière qui n'existe pas, c'est pas dans le jeu. À un moment, tu rases le sol et les animaux apparaissent. Pas comme dans No Man's Sky, mais un peu quand même comme dans No Man's Sky. Quoi. Ça reste quand même un jeu magnifique. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est magnifique, mais il est une patate. Il est très beau. Je trouve que niveau DA, niveau effet visuel, quand quand tu lèves la gueule vers le ciel et que tu vois c'est vraiment un jeu qui fait sentir puissant, quoi. Genre, c'est vraiment un truc qui fonctionne bien à partir du moment où t'as compris les. Il y a un moment d'ailleurs dans la démo qu'on n'a pas vu là au cours de cette émission, mais qu'on avait vu avec Goto lors d'un GK Live, c'est le moment où t'enfiles ta combinaison. Oui. Ça dure 4 secondes, mais c'est les 4 meilleures secondes de ta vie. Tu le fais à chaque fois que tu sors de Fort Tarsis, donc après laisse-moi dire que le bouton skip tu le connais par cœur. Ça me rappelle Titanfall quand t'appelais ton mecha, il tombait comme ça, t'avais genre 3-4 secondes d'animation, tu chopais le truc, tu tirais, tu rentrais, tu comprenais ce qui se passait, mais t'avais l'impression genre de te transformer. Ou dans Evolve, tu sais, quand tu sautais de l'avion, t'arrivais en fait, on parlait d'Evolve avant l'émission, t'avais tous les chasseurs qui étaient dans l'avion, et genre t'avais genre 5-6 où vraiment tous les chasseurs étaient là comme ça, on va tuer le monstre et tout, et il y avait ce côté un peu monté en puissance, et je trouve ça super cool, quoi. Donc voilà, ça pose, il y a plein de questions sur le contenu, sur la variété des activités qui actuellement sont carrément celles de Destiny, avec quelques idées un peu à la BioWare qui sont pas top, et du contenu post-game évidemment, de l'équilibrage, donc c'est très difficile de savoir ce que ça donnera, mais effectivement il y a des warnings, des warnings assez importants, notamment ces loadings incessants et cette expérience très hachée. Alors que les autres, enfin, il y a déjà une vidéo sur YouTube avec un mec qui fait le chronomètre de combien de temps je mets à prendre une mission et à sortir de mon vaisseau dans Warframe, combien dans Destiny, et le triple dans le thème. Après, le mec compare aussi à un jeu qui est sorti depuis genre 2-3 ans et à un jeu qui n'est pas encore sorti. Mais là, globalement, on aura l'occasion en de façon dans la ville. En vue FPS, tu marches, t'as pas de bouton pour courir. Ouais, ça c'est dur. Et tu contemples la ville, voilà. On terminera trouver un ambassadeur en thème. On terminera ce débat en antenne, puisque messieurs, il faut avancer dans cette longue émission. On va parler de Kingdom Hearts 3 dans quelques minutes, mais avant ça, on a deux rubriques à vous proposer, le tournée manette et l'entracte musical. On va commencer par ce dernier. C'est Nodus qui nous l'a préparé et c'est juste après le jingle. Thank you.
C'est parti pour la pause musicale hebdomadaire de notre émission. C'est Nodus cette fois-ci qui nous fait les honneurs d'une programmation musicale, j'imagine originale et rafraîchissante, comme souvent avec toi, Nodus. Et un thème peut-être pour cette émission ? Eh oui, le thème c'est les Victory Songs, qui sont donc les sons qui sont joués généralement après une victoire. Comme d'accord, comme ok, donc après, j'ai déjà un point pour Overwatch qui va passer un moment. Ça, c'est fait, donc on oublie. D'accord, voilà. Très bien. Je suis sûr qu'il y a Overwatch. Il y a 6 morceaux qui sont donc. Enfin, 6 parce que c'est plus court est-ce que d'habitude. Le concept de entr'acte. D'accord, 6 d'accord, morceaux. Bon. C'est des thèmes de victoire, ça dure 10 secondes. Qui peuvent durer 15 secondes. On commence avec le premier. Hubert, envoie le morceau. Ah, donc on a gagné. Mais oui. C'est Vincent. Je l'attends. Deadbolt. C'est Towerfall. C'est Towerfall. Mais ça change selon les persos. Excusez-moi si vous ne gagnez jamais à Towerfall et que vous ne l'avez jamais entendu. C'est bien d'avoir laissé personne d'autre essayer de répondre. Sagouin. Personne ne l'avait, ton jeu Mia là. C'est parti du principe que ce qui se passe. Tu connaissais pas. Je parle de quoi, si vous ne l'aviez pas, personne ne l'avait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas lui qui allait l'avoir. Parce que c'est en pixel art. Est-ce que c'est. Mais c'est effectivement l'un des thèmes de. Non, d'accord. C'est j'apprends petit à petit votre métier, mais je comprends pas tout. Et vous n'y arrivez toujours pas, monsieur. C'est Ben Crunty, non ? Non, j'en ai plus. Il a essayé. Non, mais au moins, il essaye, c'est super touchant. Il avait un deck avec juste 52 fois la même carte. C'était Ben Crunty. Bref, alors. C'est effectivement. Ok, Thomas, tu mets tout le monde. Monde mal à l'aise. Mike truc. Bon allez, casse-toi. Donc c'était effectivement le thème de victoire. Enfin, l'un des thèmes de victoire de Towerfall. Ouais. Là en fait, comme Pipo l'a dit, le thème de victoire change en fonction de la couleur du personnage. Ouais. Là c'est le personnage Sion. Et la musique s'appelle The Prancing Puppet. Toute la bande son a été composée par Alec Holowka, qui est à la fois développeur, game designer et musicien. Il a bossé en tant que game designer et compositeur sur Aquaria avec Derek Yu, donc le développeur de Spelunky. Ouais. Il a fait aussi Night in the Woods, donc à la fois game design et composition, et forcément Towerfall. Il a fait Towerfall de base et Dark World. La bande son est très cool et à chaque fois c'est toujours très rigolo de voir le Victory Song qui change en fonction du perso. Moi j'aime bien le sien parce que le perso monte ses fesses quand il gagne. En revanche, Towerfall il a fait la musique mais il a pas touché au design du jeu. Non, hein. Voilà, c'est Matt Thorson. Il a fait que GD sur Night in the Wood et Aquaria. Ouais, Towerfall c'est uniquement bande son. Voilà, donc pas de points. Un point pour personne. Un point pour personne, il y a 5 morceaux. Deuxième morceau s'il te plaît, Hubert. C'est parti. Left 4 Dead 2 de... Les deux morceaux sont pareils. Mais okay. En fait, il y a que la mélodie qui change du 1 au 2. C'est une musique qui s'appelle The Monster Within. C'est la musique qui se joue à la fin quand tu arrives à évacuer ton équipe. Enfin, ton équipe. Un membre ou l'équipe. C'est ça. D'un niveau. Donc, c'est la musique qui se joue avant l'hélicoptère. Forcément, c'est Mike Moraski. On va pas revenir sur le monsieur parce qu'on a déjà fait au moins 2 ou 3 entr'actes en le mentionnant. C'est l'un des compositeurs maison de chez Valve. Et il a bossé. Et il y a eu un article sur Gamekult sur la musique adaptative de Portal 2 et Left 4 Dead 2, puisque Left 4 Dead 2 adapte sa musique en fonction de ce qui se passe à l'écran, en calculant le niveau de stress des joueurs et en mettant des musiques en fonction de ce qui se passe. C'est très cool comme bande son. La bande son de Portal 2 est toujours très cool aussi, celle de TF2 aussi. Et voilà, c'est le même son de victoire que sur Left 4 Dead 1. Et c'est aussi du coup le son qui sert de générique de fin au jeu, puisque forcément quand tu termines dans un niveau, ta générique qui se lance est à cette musique là. Et ben ça fait un point pour Pipo. On va voilà. À troisième morceau s'il te plaît, Hubert. Le tien c'est pour toi. Total Annihilation. Ok, Pipo. Heroes of Might and Magic. Ok. Kingdom Come Deliverance. Ok. Vas-y, balance. Oui, Victory. Comment les conquérir, je sais pas. Oui, 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 Pouillot, oui. C'était Red Alert 3. Ah, c'est le thème de. Placez-vous les PC. Même s'il avait pas le jeu complet, je lui donne. Ah, j'aurais dit Red Alert de toute façon. Parce que là, tu l'as carrément offert. Parce que c'est. Si tu veux conquérir, tu lui donnes Red Alert 3. Effectivement, le thème de victoire de l'Union Soviétique, enfin de l'URSS dans le jeu. C'est pour ça qu'il est reconnu. Parce que celui des États-Unis est beaucoup plus joyeux, étrangement. Il donne envie de se faire des câlins et de laisser tomber les armes et d'arrêter cette guerre. Mais par contre, l'URSS donne envie de partir en guerre et donc c'est donc là comment dire la bande son est composée par 3 compositeurs qu'on connaît déjà bien, James Harrigan, Frank Lepaki et Timothy Michael Wynn. On ne sait pas lequel des 3 a composé ce morceau puisqu'il n'est pas listé dans la bande son, c'est un morceau bonus, mais on imagine que c'est l'un des 3 et donc voilà c'est l'un des sons de victoire d'une des factions du jeu et qui change beaucoup par rapport à celle des USA. Eh ben, on va passer au un point pour Pouillot. Au morceau ouais. Suivant, un point pour Pipo, un point pour Pouillot, et Gotos à moins 1 parce qu'apparemment c'était gratos pour lui et il l'a pas eu. Donc, voilà. Mais il a sorti un jeu qu'aucun de vous n'aurait pu sortir. Alors c'est un Kirby 64. Alors non. Non. C'est pas un Kirby. Non. Konoha.
Non. Non, les gars. C'est la PS1, on est d'accord. C'est Tombi. Non. Vous l'avez là? Mais y'a même. Non, bah non. Un Pokémon. Oh la vache. Ah, mais... Oh là là. Mais oui, bien sûr. C'est... Oh, Puyo, la honte. Puyo, oh mince alors. C'est un Pokémon, c'est plus, Pokémon ouais. Génération XY. Donc ce morceau était composé par Shota. J'ai mal écrit son prénom. Aïe, Kaguyama, je suis désolé si je l'ai écorché. Je crois que c'est mon tag. Kageyama, j'ai mis un mot, je suis désolé, j'ai écrit comme un chien. Mais donc là. C'est tellement sincère. C'est grosse patoune. Mais donc la bande son était composée par plein de compositeurs différents qu'on n'aura peut-être pas le temps de tous citer. Itomi Sato, Minako Adachi, Aoti Morikazu, pardon. Et pourtant il les cite quand même. Ouais, et voilà. Il cite pas le seul qui fait toutes les compos de Pokémon depuis le début, Junichi Masuda. Parce qu'il a pas bossé sur XY. Boum. Voilà. Mais en revanche, Shota Kageyama a bossé sur donc, Black and White, il a aussi bossé sur Luminous Arc, Pokémon Tournament, et il a fait aussi des arrangements récemment pour Smash 2018. Comme beaucoup de compositeurs qu'on va... Environ 67% des compositeurs japonais qui bossent sur Smash. Une sorte de Battle Royale des... des compositeurs. Alors, tout reste encore possible, puisqu'il reste, si je ne m'abuse, deux morceaux à découvrir. Hein, donc, Puyo 1 et Puyo 1. Puyo 1 point, Puyo 1 point. Et il y a eu deux morceaux qui n'ont pas été trouvés par personne. Pour l'instant, vous me décevez tous. Et bien, c'est un plaisir. Je vais me refaire. C'est parti. Advent Soir, je levais la main, il a levé la main avant toi, donc tu vas bien te calmer sur le côté. Moins 2 pour Pito, tu as 2 points. Et j'en ai même 6. Non, je vais pas tenter l'épisode. Alors, j'aurais donné à Goto, un point. J'ai levé la main, il m'a pointé du doigt. Un point en plus, si j'ai le jeu. Et même quand il a commencé un point en plus, si j'ai le strike. Oui, monsieur, oui, oui, oui. Ton problème, non, du chili ou ton problème, je te l'éclate, moi. Tu fais le strike à chaque fois et ça marche. C'est effectivement l'épisode Nintendo DS. Tu dis toujours du strike. Pardon. Vous me dites, quand vous avez fini ? Fini. Yoshito Hirano, mais aussi Sekigawa. Pourquoi j'ai noté qu'un nom, je ne sais pas. c'est mon nom de famille. Et le morceau s'appelle Grand... Dis-moi Sekigawa-san, tu vois, ça passe. Le morceau s'appelle Grand Adventure, et c'est le morceau qui se joue lorsqu'on termine l'un des niveaux du jeu en gagnant. Voilà, et le compositeur a aussi bossé sur forcément d'autres Advance Wars, Fire Emblem, Paper Mario, il a été superviseur de la bande son sur Smash Bros. Brawl, et il a fait aussi lui aussi des arrangements sur Smash 2018, comme beaucoup de ses collègues. Pipo, tu as 2 et Puyo, tu as 1. Et je crois savoir d'ailleurs que tu n'as pas choisi Advance Wars par hasard. Puisque Wargroove, hein. Wargroove. Mais on en parlera juste après. Quelques minutes, peut-être. Tout à fait. Bah, ça va être le dernier morceau. Puyo, tu peux égaliser ou Pipo prendre le large. Allez, celui-là, il est cadeau. Ah, je le watch. Mais tu vois, enfin, on lève tous la main, Gauthier il gueule en espérant gagner le point. Bah, c'est ça. Voilà, c'est bon. Tu vas deux, tu vas dire, je vais pas lever la main. Bah, c'est une espèce d'animal. Civilisé. Okay. On aurait pas genre 5 points au mec qui avait trouvé le morceau avant qu'il démarre. Genre, moi, il y a 5 minutes. Alors, en fait, il y a une post-club, il y a 3 heures, je lui ai dit, il y aura l'effort d'aide, j'en suis sûr. Ouais, t'as bon. Moi, j'ai mangé une caméra. J'ai un témoin, c'est Nodius, et je pense que je peux prendre 18 points. Vous vous dissipez. Vous vous écartez du sujet principal qui est la musique. Et cette musique, rappelons-le, je ne sais pas qui l'a composée précisément, enfin le Victor. C'est Neil Acri. Ouais. C'est Neil Acri, ok. Parce que la bande-son complète de Overwatch met en scène différents compositeurs. Il y a Derek Duke, Sam Cadon, Neil Acri, comme tu l'as dit, et Chris Velasco. Derek Duke, il a bossé beaucoup chez Blizzard sur WoW et toutes ses extensions. Sam Cadon, c'est beaucoup de films. Il a bossé beaucoup dans l'industrie du cinéma. Neil Acri, c'est WoW, StarCraft 2, Diablo 3 et aussi Stargate à la télévision. Mais le plus intéressant, c'est Monsieur Velasco. Alors lui, il a une sorte de CV cosmique qui fait 6 pages Wikipédia. J'en ai pris quelques-uns. Mass Effect 3, Warhammer 40,000, Space Marine, Tron, The Long Dark, récemment, ça m'a surpris. God of War 2 et God of War 3, je crois. Bloodborne, Battleborn aussi. Voilà, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Et Splinter Cell aussi. Voilà. Splinter Cell, c'était double agent. Darksiders 3 dernièrement, c'est vrai. C'est le morceau Play of the Game. C'est le morceau Play of the Game. Non, enfin, c'est le Victory Song qui se joue à la fin de la partie. Ouais, c'est ça. Et qui du coup habille également le Play of the Game. C'est le nom du morceau Play of the Game. Tu n'as pas trouvé, Thomas, parce que je pense que tu n'as pas dû accéder beaucoup au Play of the Game. C'est Pipo qui gagne. Voilà. Il l'avait préparé. Merci Hubert. C'est l'effet le plus flingué de l'histoire des effets flingués. C'est l'effet qui fait que les gens s'abonnent au premium. Ça j'ai depuis 13 ans. Je crois que la semaine dernière t'as voulu entamer l'émission en faisant ah vous êtes là. C'est vrai. Donc Bref, cette pause musicale était salvatrice, mais pas pour Puyo qui va nous quitter quelques minutes à l'occasion du tournée manette, remplacé par une invitée mystère. Tournée manette, donc chacun et chacune va me dire à quoi il a joué cette semaine, et c'est juste après le jingle.
De retour sur le plateau, et pendant que Pouillot est en raccord maquillage avant sa prestation sur Kingdom Hearts 3, nous accueillons Luma sur le plateau pour sa première de Gamecult Mission. Bonjour Luma. Bonjour. Alors tu es fraîchement arrivée à la rédaction de Gamecult en tant que stagiaire. Oui, voilà. Incroyable. Mais tu joues aux jeux vidéo et donc on t'a demandé de venir. J'aime bien, ouais. J'aime bien les jeux vidéo. C'est vrai. Bon, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, le stage, ça se passe bien, ils sont gentils avec toi. Bah ouais, aujourd'hui ça fait un mois d'ailleurs que je suis arrivée. Oh. Ça fait ma quatrième semaine. Bon anniversaire. Exactement. Et tu veux une médaille. Non. Non, mais oui, donc ça se du passe coup, bien. Est-ce qu'ils sont gentils, Gamecube? Parce qu'ils ont l'air, c'est un peu des célébrités. Moi, je les vois de l'autre côté. Et est-ce qu'en vrai, ils sont accessibles? Au début, c'est un peu impressionnant quand même d'arriver là. Et puis, on s'y fait petit à petit. Quand on voit que le café est pas très bon d'ailleurs, on redescend sur terre. Ouais. Et puis, comme l'équipe, en vrai, ils ont l'air de s'entendre bien sur le plateau. Mais en vrai, ça se parle pas entre eux. Enfin, ils s'ignorent. Non, mais je déteste moi. Les casques à réduction de bruit. Donc, en vrai, ça va. On se sent un peu tout seul. Et du coup, on bosse. On fait son truc et on repart le soir à 17h. C'est qui le rédacteur le plus sympa, quoi? C'est Jarod. D'accord. Ah, bonne réponse. Bref, l'humour viendra avec toi sur Life is Strange 2, épisode 2, puisque tu as pu essayer cet épisode de quelques heures, qui continue donc la seconde saison de Life is Strange, donc épisode 2, enfin saison 2, j'y avais arrivé, qui est sorti au mois de janvier. Et quand on parle de jeu épisodique il y a quelques semaines avec Patrick Elio, on continue le sujet donc avec cet épisode. Néanmoins, on va commencer par Pipo, qui nous a teasé Advanced Wars 2019 et qui s'appelle Wargroove. Ouais, alors là, tu viens de faire un raccourci que j'oserais pas faire ni ici ni dans mon papier. Mais c'est ce qu'on avait fait avant. Hein. Bah ouais. Oui, mais maintenant on y a joué entre temps. Enfin, c'est ça le truc, justement. Allez, c'est intéressant. Bah oui. En gros, à l'heure où vous nous regardez, nous entendez en parler, il y a sûrement plein de tests qui sont sortis, mais sûrement pas le mien parce que j'étais en train de crever il y a encore quelques jours. Mais en gros, Wargroove, c'est développé par Chucklefish, donc les développeurs de Starbound, pour ceux qui se souviennent, et de bientôt Witchbrook, qui a l'air très cool, qui est un jeu à la Harry Potter. Enfin. Qui se passe dans une école de sorciers. Et surtout, Chucklefish, c'est aussi l'éditeur de Risk of Rain, Stardew Valley ou Time Spinner, pour en citer que quelques-uns, donc des petits jeux. Et donc Wargroove, ouais, c'est disponible depuis le 1er février sur Switch, Windows et One, ça sera un peu plus tard sur PS4. Et c'est effectivement, oui, une suite spirituelle à Advance Wars, il n'y a pas eu d'épisode depuis très longtemps, mais il y a quand même pas mal de différences, il y a des choses dont ça aurait été aussi pas mal peut-être de se départir par rapport à Advance Wars, parce que ça va faire 10-15 ans maintenant. Ouais, on peut revoir ces combats, effectivement, qui rappellent tout de suite la série Nintendo. Ouais, t'as la même interface, la même maniabilité, le même gameplay au global. Il vient d'où Wargroove, que j'ai l'impression d'entendre parler depuis des années. C'est Chucklefish qui bosse dessus depuis des années. C'est vraiment. Je sais même pas si c'était Kickstarter. Non, c'est Kickstarter, ça a été. C'est ce qu'on appelle parfois un jeu vidéo qui est annoncé puis qui sort. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Pas encore de patch day one prévu, je crois, en plus. Mais donc voilà, t'as même le système de pouvoir où chaque général a ce qu'on appelle un groove ici, forcément, et qui va pouvoir tous les X tours influencer un peu sur la bataille. Et dans les petits changements, donc t'as ton général qui est sur le terrain maintenant, un petit peu à la dueliste. Donc ça change pas mal de choses, puis ça rajoute justement une manière de perdre la partie qui est de se faire tuer son général. Tu peux maintenant soigner les unités avec les bâtiments capturés, ça aussi c'est nouveau par rapport à Advance Wars. T'as un système très bien pensé de critique. Chaque type d'unité en fait va avoir un moyen de faire des coups critiques. Les lanciers par exemple, il faut qu'ils soient côte à côte. Les fantassins normaux, c'est s'ils sont à côté de leur général. Si tu attaques sur ta dernière case de déplacement. Ouais, c'est ça. Les balistes, c'est si t'attaques au plus loin, enfin les trébuchets, etc. Chaque unité va vraiment avoir un moyen optimal de faire du dégât. Donc ça rend le jeu, plus profond. Ça rajoute une grosse couche de tactique. D'accord. À laquelle on fait pas forcément gaffe au début. D'accord. Et enfin, on peut voir sous le portrait en haut à droite là, la météo qui va elle aussi influer sur diverses choses, sur du vent, de la pluie, qui va changer les déplacements, les lignes de vue, etc. C'est plutôt malin aussi. Mais de l'autre côté, t'as quelques anachronismes. Donc comme je disais, t'as aucun bouton pour revenir en arrière en cas de mauvais clic. C'est-à-dire, tu peux même pas. Je peux comprendre qu'il faudrait pas en abuser, tu vois. Il y a aussi des niveaux avec du brouillard de guerre, ce serait bizarre. C'est pas ça, elle a pas proposé cette option. Ouais, mais Advance Wars, je ne crois plus. Mais pareil, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas retouché. Non. Tu veux dire un rewind? Un rewind. Ah oui, ça me manque aussi. Je joue aussi, voilà, pour expliquer. Et effectivement. Après un jeu comme Into the Breach, où on t'en offre les deux ou trois sur un combat. Mmh. Bah là, tu vois, c'est des matchs qui font 10, 15, 20 tours, qui sont très longs. Dès le début, on va revenir là-dessus après. Un petit peu. C'est même pas expérimenté, parfois tu te plantes. Parfois, t'appuies deux fois sur le bouton et t'attends au lieu d'avancer ton perso et d'attaquer. Ouais, surtout qu'en fait, t'as vite fait de valider une case, puis ensuite on te propose un menu. Donc, dans ton emportement, tu valides une attaque alors que tu voulais juste dire reste sur cette case. C'est ça. Effectivement, tu voudrais pouvoir dire des os. Et on arrive à un autre gros problème du jeu, enfin deux problèmes en fait, c'est ce fameux souci de rythme, avec donc des combats très très longs dès le début. Dès ton deuxième combat, tu vas être sur un truc à 20 ou 25 tours. Et surtout, parfois, presque l'impression de jouer, en tout cas au début aussi, à du die and retry.
et ce qui est très gênant dans Tactical. En fait, t'as l'impression de jouer un puzzle game à solution limitée plutôt qu'un grand jeu tactique. Ah, donc en fait, tu vas te faire tuer et il y a un moyen de résoudre le truc ou deux et... Peut-être plus, mais en tout cas... On est carrément passé sur mon jeu. Je vais sortir par Uber, là. En tout cas, là où j'en étais, il y avait vraiment un côté « Ah, en fait, c'est parce que je l'ai posé lui là. Je vais recommencer le combat, je vais le poser lui là-bas. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai gagné. Ouais, j'ai divisé des nombres de tours comme ça aussi en faisant pas une erreur au début et en relançant, c'était plus rapide que d'essayer de récupérer ma partie. Et alors donc là, je tire un portrait assez sombre et Gauthier aussi qui justement est qu'au début. Il se trouve que moi, j'ai un peu plus avancé. Je commence à avoir les unités navales, les unités aériennes, et là ça commence à devenir bien plus intéressant. D'accord. La longueur des combats reste à peu près la même, donc ça devient beaucoup plus digeste quand t'arrives en milieu de jeu. La campagne s'élargit aussi avec du level design intelligent qui arrive, des niveaux sans gestion de structure, des niveaux avec gestion de structure, etc. D'accord. Et donc finalement après une demi-douzaine d'heures, je commence vraiment à prendre du plaisir, et surtout le contenu. T'as la campagne, t'as un mode arcade avec donc 12... Puisque ouais, t'as 12 généraux pour 4 factions, 12 modes arcade où il faut enchaîner 5 combats sans perdre. Et tu penses que t'es encore là-dedans pour un petit moment, quoi. Ah oui, parce qu'il y a en plus un mode problème que j'ai même pas encore débloqué, où vraiment tu vas devoir résoudre des problèmes, plus un éditeur de niveau, de campagne, de cartes, qui commence déjà à être rempli, et tu vois même en fait quand tu lances la campagne de base Wargroove, t'es déjà sur le sélectionneur en fait de campagne. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur jeu avec plus ou moins le moteur de campagne qu'ils proposent. Okay. Donc ouais, en termes de contenu, c'est gigantesque. Je suis persuadé que les défauts que j'ai eu au début, vu qu'ils commencent déjà à s'atténuer, parce que je rentre dans le flow du jeu, etc., on va dire que le début est un petit peu frais, quoi. Il est rude, vraiment. Ouais, il est sec, il est violent, il peut frustrer, pour de vrai. Surtout quelqu'un qui vient des vieux Advance Wars avec peut-être des souvenirs un peu embellis, de machin. Advance Wars, dans mes souvenirs, ça allait assez vite au début, quoi. Qui joue aussi, Forcément. Mais j'étais vraiment en balance quand j'ai lancé le jeu. Et là, plus ça va, plus ça devient positif. Donc c'est plutôt bon signe. Très bien, en tout cas voilà, ton test arrivera j'imagine la semaine prochaine. Quand il arrivera. Quand il sera terminé, mais oui, la comme Metroid Prime 4. Ça se trouve, je vais l'annuler, puis je vais l'envoyer chez Gotos. C'est pas bête. Si tu fais une vidéo sur fond blanc, je suis désolé. Gotos, puisqu'on parle de toi, à quoi tu joues cette semaine? Alors je joue à Future Grind, qui est sorti notamment sur Switch et qui pourrait être comparé, et je me sers des images pour ma comparaison, une sorte de Holy Holy avec un end spinner à deux branches. Puisqu'en gros, il va falloir effectivement, sur des niveaux assez courts, réaliser un maximum de tricks avec cet objet que tu peux décider de faire tourner et faire un double saut. C'est pas vraiment un spinner, c'est une sorte de moto qui aurait un roulement en son milieu. Et il faut toucher avec la bonne couleur sur les bons rails et également donc survivre évidemment à chaque run et ensuite remplir des challenges sans quoi tu ne valides pas. Le concept est en fait rempli de subtilités parce qu'au fur et à mesure de la campagne, tu vas débloquer de nouvelles motos avec des spécificités comme par exemple de... Oui, alors déjà, il y a tout un délire sur le glitch qui arrive au fur et à mesure du jeu. Mais oui, j'attendais un petit peu de le dire aujourd'hui pour avoir ton visage. Et la musique est bonne aussi, si on aime l'électro très club. J'ai juste un ou deux soucis qui, pour moi, actuellement, me gâchent un peu le jeu, malheureusement. Le premier, c'est qu'il y a une sorte de légèreté dans l'objet qui fait qu'une fois que tu l'as lancé dans une rotation, c'est difficile de le stabiliser. C'est vraiment comme si tu étais en train de faire des manuels en skate, mais non-stop. Du coup, tu sues des mains, beaucoup. Et ça tombe très très mal parce que les contrôles ne sont pas réglables sur Switch et les deux boutons de gâchette font un reset automatique et instantané de ton run. Donc quand tu tiens ta manette et que tu fais juste sauter, rotation, si à un moment tes index effleure les boutons d'épaule. On a passé de mauvaises soirées chez les Gotos. Quand t'es à 90% de la run, que t'es là genre yes, en plus je crois que j'ai un score genre médaille d'or et tout, et là en fait juste tu touches R et le machin se fait boum, retour direct au début, c'est à péter un plomb. Et c'est une toute petite truc de rien du tout, mais qui pose un peu problème. Je lui trouve une inertie un peu, mais je suis pas sûr que l'inertie gâchera le jeu pour tout le monde. La musique joue un rôle là-dedans ou c'est... Non, c'est vraiment pour te mettre vraiment dans le flow du truc, et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un jeu un petit peu particulier et qui sort un peu, on va dire, du flow du genre de jeu que tu vas avoir sur des runs très courts à scoring, parce que c'est évidemment du scoring. Ça serait bien s'il y avait une démo, je suis pas sûr qu'il y ait une démo. Sur Itch.io, je sais qu'il y a une page, mais je sais pas s'il y a une démo. Parce que j'avoue que... Switch, je crois pas. Tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de jeu avec une prise en main particulière que je conseillerais vraiment, genre checker la démo pour voir si ça vous va ou pas, quoi. Ils ont inclus
motion gaming du tout dans le gameplay ou du tactile avec l'écran de la Switch en mode portable. C'est des contrôles classiques. Ouais. D'ailleurs, ça, il faut le dire, Wargroove, pas de tactile. Ouais, pas de tactile. Très bizarre. Mais bon, voilà. Bah, il n'y en avait pas non plus dans Nintendo. Attends, les menus sont ridiculement petits, donc tu serais comme ça avec une loupe. Tu fais des tout petits doigts. Ouais, faudrait au stylet, quoi, mais voilà. Je passe vite là-dessus. Ok. Merci, voilà. merci messieurs, vous avez terminé, je peux reprendre le cours normal de cette émission. Avec Luma, donc Luma, tu as essayé et tu as même fait la saison 1 et la saison 2 à date, c'est puisqu'il y a deux épisodes sont sortis de Life is Strange. Alors la 2 est assez différente de la 1, donc on va plutôt s'attarder donc, sur cette saison 2. Tu as fait le deuxième épisode, d'abord qu'est-ce que tu penses un peu de cette saison globalement? Alors du coup j'ai rattrapé Life is Strange parce que j'avais testé le premier sans le finir. Donc j'ai rattrapé le premier Life is Strange pour me faire cet épisode 2 qu'on voit ici à l'écran, qui est très différent du premier parce que déjà de la base du gameplay du premier, c'est-à-dire le rewind, donc le fait de pouvoir revenir légèrement quelques instants dans le temps avec Max, là n'existe plus puisqu'on incarne un nouveau personnage. Donc ça fait que forcément, au niveau de la prise de décision dans la narration, ce qui était quand même le principe de base de Life is Strange, ça change complètement, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on suit beaucoup plus les dialogues. Pour avoir rushé du coup le premier Life is Strange, le fait de pouvoir revenir comme ça en arrière, ça faisait que par moment j'écoutais à moitié ce qu'il disait. Et si je voyais que j'avais pris une mauvaise décision, bon, je savais que je pouvais revenir. Là, cette fois, c'est pas du tout le cas, sachant qu'on a... plus de responsabilités parce que on joue du coup Sean qui est du coup ce personnage là de alors pas du ça c'est le père on joue ce personnage qui a 17 ans qui doit veiller sur son petit frère Daniel qui a environ 10 ans d'accord donc on joue le grand en fait on joue le grand frère et le grand frère pas comme dans l'émission juste un grand frère c'est Pascal et on a donc la responsabilité de devoir veiller sur son petit frère. C'est un jeu qui est complètement différent en termes de narration. Là, ça se passe comme sur un voyage. L'épisode 1, qui est sorti en septembre dernier, s'appelle Roads, donc les routes, qui se composait comme un road trip, en fait, avec un point de départ, élément perturbateur, le père, spoiler, le père des deux garçons meurt, et du coup, les fils prennent la fuite. Et là, dans cet épisode 2, ça y est, ils essayent de se réfugier, en fait, à différents endroits, ce qui... et parfois compliqué. Donc là, on est sur une pause, en fait, dans leur trajet, où ils essayent un peu de réfléchir, voir où ils en sont, eux, déjà, entre eux, parce qu'on explore énormément la relation entre les deux frères, les décisions qu'on prend, forcément, en tant que grand frère, pour montrer l'exemple sur son petit frère, sont hyper importantes. Excuse-moi de t'interrompre, ça a été exploité, parce que pendant le teasing du début de cette nouvelle saison, il parlait justement de ce jeu qui était vraiment, qui allait utiliser à mort la mécanique de transmission. Ça se présente comment dans le... En fait, il y a plein de moments où on doit littéralement montrer l'exemple à son petit frère, c'est-à-dire lui cacher qu'on est en train de voler de la nourriture, par exemple, dans le premier épisode. Comme ça fait plusieurs semaines déjà qu'ils sont partis, ils ont besoin de manger. Et du coup, il faut bien réussir à trouver à manger, parce que quand on n'a plus d'argent, le grand frère se dit là, maintenant il faut que je vole. Et il faut réussir. Du père, du coup, il prend la place de l'adulte, sauf que comme c'est un enfant de 10 ans, il ne faut pas lui montrer qu'on est en train de voler pour manger, ce qui est quand même assez grave. Dans l'épisode 2, on voit par exemple plusieurs moments où le petit frère commence à dire des insultes, fuck, shit, des trucs comme ça. Et là, le grand frère lui dit, ton langage. Il y a plein de petites choses comme ça où du coup, on sent que c'est un personnage qui en a pris plein la gueule. Et du coup, Sean doit vraiment. Il est plus sombre que la saison 1, Life is Strange saison 2 Plus sombre dans ses thèmes, oui. Ouais. Je trouvais que le premier, même si ça parle de mort, de harcèlement entre lycéens, c'était des étudiants à l'université, ça restait dans un traitement assez fantastique puisqu'on avait ces visions, cette tornade géante. On était un peu dans une série, c'était 13 Reasons Why, mais avec des éléments fantastiques. Ouais, d'accord, ouais. Là, pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, je dirais, en termes de d'approche. Donc comme ça, comme je l'ai dit, les personnages littéralement doivent savoir où dormir, quoi manger. C'est des choses assez dures en fait, avec des jeunes personnages. Il y a effectivement un petit peu de fantastique, mais c'est pas le très très peu en fait. Je sens que ça va être comme pour le premier. Ils vont pas nous expliquer d'où viennent les pouvoirs, sachant que cette fois, du coup, c'est le petit frère qui a des pouvoirs, pas le grand. Ce qui fait qu'en fait, le gameplay est techniquement diminué vu qu'on fait on a un personnage qui n'a plus de pouvoir, mais du coup, qui pour moi est beaucoup plus immersif parce qu'on est vraiment obligé de tout analyser et comment, avec le peu que j'ai, comment est-ce que je fais en sorte de veiller sur mon petit frère. Et c'est vrai que là-dessus, c'est beaucoup plus immersif, je trouve, que le premier, sachant que les personnages sont hyper bien développés. Avec ce chapitre qui se pose
où du coup les personnages sont plus en train de courir, échapper à des gens et tout. Là, ils ont réussi à se réfugier, et donc là, on explore vraiment leur relation entre eux. On retrouve également Captain Spirit du spin-off qui était sorti en juin dernier, qui du coup là offre un point de vue intéressant parce qu'il contraste énormément. En fait, là, ça fait deux épisodes du coup qu'on suit Sean et Daniel, et on avait connu Captain Spirit dans son spin-off qui était hyper fantasque, à s'imaginer des aventures, hyper insouciant, il vit dans sa bulle un peu. Et là, quand on le revoit, on incarne Sean et Daniel qui, d'épisode d'avant, ils cherchaient quoi bouffer. Ça fait un contraste qui est énorme. Et vraiment, on est sur un ton qui est hyper différent du premier Life is Strange. Et tu disais, il y avait des thèmes du réel. En gros, on t'incarne deux jeunes enfants, enfin deux jeunes adolescents qui sont donc immigrés, c'est ça, aux États-Unis, c'est ça? Alors, ils sont pas exactement immigrés. Leur père était mexicain. D'accord. Et eux, du coup, ils sont double nationalité. Ils sont fils d'immigrés. Et c'est un thème qui est mis en avant dès le premier chapitre. Ouais. Parce qu'il y a un personnage qui balance au grand frère, c'est à cause de gens comme vous qu'on devrait avoir notre fameux mur. Ok, ça fait une heure et demie que je joue, on me balance ça. C'est Trump, le boss. C'est ancré dans notre contexte réel, sans citer Trump, directement. Après, il y a toujours un peu l'envie de l'Américain, le Français qui regarde les US. T'avais aussi des gros reproches sur le premier live. Ouais, voilà. Mais là, tu sens que c'est effectivement. J'avais fait la preview et effectivement, j'avais été surpris par cette arrivée du réel d'un coup dès l'intro d'ailleurs. C'est très ancré dans notre monde et on sent que ça pèse sur le personnage. Enfin, il y a une espèce de... Quand je dis que c'est beaucoup plus immersif au niveau du gameplay, et du coup on se surprend, enfin moi je me suis surprise par moment avec la caméra, regarder derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde de travers, quelque chose comme ça. Et on sent vraiment les personnages espèrent se diriger vers le Mexique. Donc c'est écrit que les personnages veulent se réfugier là-bas. Mmh. Et on sent vraiment qu'ils cherchent un peu... Où est leur place, quoi? Est-ce qu'ils ont encore leur place aux États-Unis? Ou est-ce qu'ils doivent se réfugier au Mexique? C'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd, mais pas dans le mauvais sens du terme, que le premier, en fait. C'est-à-dire que ça prend un peu plus au trip, quoi. Alors, c'est un épisode où il se passe, finalement pas grand chose, c'est une pause vraiment dans leur fuite. Mais du coup, est-ce que c'est un épisode où globalement tu as appris des choses sur le jeu, ou c'est un épisode de transition, selon toi? Je pense que c'est un épisode de transition. Les personnages sont en fuite. Hein. À la fin de l'épisode, on voit qu'ils partent encore vers une autre étape. Donc là, on est vraiment dans une pause. Alors c'est vrai que ça peut un peu déranger, je pense, les gens qui ont attendu 4 mois. Parce que l'épisode d'avant est sorti en septembre. Là, celui-là est sorti la semaine dernière. 4 mois d'attente pour un épisode de transition où techniquement, en termes de narration, il se passe entre guillemets pas grand-chose. Mmh. Je pense que ça peut être un peu frustrant. Malgré tout, je trouve ça intéressant de prendre son temps comme ça pour développer les personnages. En épisode 4-5, avec des moments de mou en plus pour préparer mieux les moments plus importants après. Comparé au ramassage de bouteilles dans une décharge dans le premier Life is Strange. Tu me fais plaisir quand tu dis ça. Enfin, les personnages étaient vraiment superficiels dans le premier, et là ça fait plaisir de voir un traitement adulte sur un jeu narratif qui, du coup, l'histoire quand même, c'est le cœur du truc, quoi. C'est pas le gameplay, c'est l'histoire. Et là ça fait plaisir, quoi. Il y a une question qui m'intrigue de plus en plus à mesure que tu me parles du jeu. J'ai l'impression qu'en fait t'es en train de jouer le sidekick du personnage qui devrait devenir le héros. C'est un peu ça. Et que t'es en train de modeler le héros que devrait devenir Daniel dans l'épisode 4 ou 5. C'est un peu ce dont il parlait. C'est un peu Clémentine et Liv, peut-être quelque part. C'est quelque toute la lumière. Sauf que je savais peut-être pas encore qui allait devenir le héros. Ouais. Et j'aime beaucoup cette idée de devoir être juste. Il faut que je lui apprenne à utiliser ses pouvoirs pour le bien. Sinon, il va peut-être utiliser sa télékinésie pour tuer des flics avec des cailloux qu'il va projeter, tu vois. Et je trouve ça cool, en fait. C'est exactement le thème de cet épisode 2, puisqu'il s'appelle Rules, donc genre les règles à suivre. Et Sean définit des règles à suivre à Daniel, genre n'utilise pas, cache tes pouvoirs, fais attention aux dangers, essaye à tout prix d'éviter aux dangers, n'utilise tes pouvoirs qu'en cas de tout dernier recours. Ouais. Voilà, il essaye un peu de guider son petit frère, qui plusieurs fois ne l'écoute pas du tout, parce que c'est un enfant de 10 ans, hein, forcément. Ils ont déjà prévu un truc sur le même... On sait pas. On n'a pas de date pour l'épisode 3 qui est annoncé. On n'a pas de titre non plus. D'accord. On a juste une toute petite vidéo preview qui est la vidéo preview à la fin de l'épisode 2. Du coup, on voit qu'ils vont à nouveau, je pense, s'affronter à l'illégalité. Hein, après avoir essayé de voler de la nourriture et... Enfin voilà, je ne révèle pas tout ce qui se passe dans l'épisode 2, mais... S'il y a quoi, 4 ou 5 épisodes, je ne sais plus... 5, je crois. C'est annoncé comme 5 épisodes, donc il y a encore le temps de développer... Ouais, il y a le temps. Ça dure combien de temps à peu près, là, juste que je me rende compte En termes de durée... Pour finir, ouais.
2h30. Ouais, en 2h30, sachant que j'ai quand même rushé. C'est un jeu de 10h. J'ai 3h, quoi. Ouais, je pense qu'en prenant son temps, parce qu'il y a comme dans le premier, on pouvait prendre des photos, là, on peut faire des dessins. C'est un personnage qui dessine. Donc, il y a des choses secondaires aussi qui n'apportent pas grand-chose, selon moi. Enfin, le fait de prendre des dessins, ça fait des choses qui ne servent pas à grand-chose. Ouais. Mais 2h30, 3h à peu près en temps de jeu. Mais je recommande parce que c'est quand même nettement plus intéressant que le premier. Ouais. C'est voilà, une aventure qui... J'ai hâte d'avoir la suite. Ok, et... bah, en tout cas, la saison, de toute façon, est en cours. Il reste 3 épisodes à sortir. C'est vrai qu'on peut peut-être s'étonner ou regretter que les épisodes soient aussi espacés, mais c'est vrai que si à la fin, on a quelque chose qui tient la route, ce sera tant mieux. Merci, Luma. On passe à Nodus. À quoi tu as joué cette semaine? Jouer une bizarrerie de l'espace. Encore? Eh ouais, pour changer. J'ai joué à Genesis Alpha One qu'on avait vu à la Gamescom 2017 avec Stoon à l'époque. On a bien rigolé en sortant de la presse parce que c'était vraiment tout claqué. C'était pas fameux, ça partait dans toutes les directions. Et là en fait le jeu final qui donc est sorti le 29 janvier, donc hier à l'heure où on tourne, part aussi dans toutes les directions, mais pour le coup fonctionne étonnamment assez bien. La boucle de gameplay est assez simple. On va en fait devoir construire une station dans l'espace, qui est la station qu'on voit là, qui s'appelle la station Alpha One. Et le but, en fait, ça va être d'explorer la galaxie un petit peu comme dans FTL, avec une carte secteur par secteur, pour trouver un système viable dans lequel on pourrait trouver une planète sur laquelle atterrir. Donc là, voilà, c'est la phase de construction. Et en fait, il va falloir alterner entre phase de construction et donc de gestion de base, phase en vue FPS, où tu vas explorer des planètes pour récupérer des ressources et construire d'autres modules dans la station. Mais quand tu fais des expéditions, tu peux ramener des aliens dans ton vaisseau qui peuvent envahir le vaisseau et pondre des œufs dans les tunnels, donc faut aussi explorer ton propre vaisseau pour le nettoyer. Tu peux aussi cloner ton équipage pour croiser les espèces que tu vas tuer. Tu peux récupérer des brins d'ADN pour créer des espèces, par exemple modifier. À la base tu commences avec des clones humains, mais tu peux les mêler à des arachnoïdes, à ce qu'ils appellent des infernos, des hommes de métal, en fait tous les monstres que tu vas tuer en jeu, en entendant suffisamment, 10, 20 ou 30, tu peux les cloner à terme et mélanger les espèces. C'est un concept super intéressant, d'autant que quand tu clones quelqu'un, il faut aussi créer une serre et générer des molécules qui lui permettent de vivre. Par exemple, les humains, forcément, ils ont besoin d'oxygène, mais les arachnoïdes ont besoin de soufre ou d'azote, les autres d'hydrogène. Donc voilà, là en fait t'as l'écran Gotos citoyen. Gotos, tu es assigné au rayon tracteur. Du coup, j'ai dit. C'est mon meilleur envoyé, il faut savoir que... Je suis à la fin de l'histoire, j'ai checké Twitter, je meurs, hein, ça va. Peu de temps après, t'es mort, tout comme le soldat Pouillot qui est mort au combat en exploration. C'est un jeu très bizarre, vraiment c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à décrire, c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à appréhender, c'est un jeu que les gens auront aussi beaucoup de mal à appréhender puisque rien n'est expliqué. Le tuto c'est juste du PDA vidéo et démerde-toi. C'est un jeu à wiki du coup un peu ? Ce sera un jeu à wiki, mais ouais. Là en l'état, comme il est pas, enfin il vient de sortir, ce n'est pas un jeu à wiki, mais ça en sera un. En revanche, c'est un jeu qui m'a surpris par. Alors déjà, l'ambiance, c'est tout ça par déterminer en fait. Voilà. Quand tu tractes des ressources, tu peux récupérer des aliens, donc faut faire gaffe. Tout ça via des terminaux en vue FPS, donc la gestion qui fait un petit peu entre Startopia et Dungeon Keeper se fait en vue FPS. Tu vas devoir gérer ta base à travers des terminaux qui font très alien. La gestion des IA, pareil, ça se fait en vue FPS. Quand tu meurs, tu vas réapparaître dans un de tes clones. La partie s'arrête quand tu n'as plus de clones et que tu meurs entièrement. Et c'est très surprenant. La partie FPS est très claquée par contre, c'est l'un des points faibles du jeu. C'est pas un jeu qui a une pêche d'enfer, c'est pas un jeu avec un gameplay de shooter très, très poussé. D'ailleurs la base, enfin la section en fait que vous explorez sur les planètes en vue FPS est limitée par un bouclier. C'est vraiment très très sommaire, hein. C'est récupérer des ressources, miner 2-3 cailloux et aller explorer un site. C'est très sommaire, mais il y a quelques trucs voilà, qui fonctionnent très bien. Par exemple cette carte de l'espace, là je vais voyager dans l'espace, je vais faire un hyper voyage de folie. Et on va partir. Alors calmez-vous l'effet, il est tout pourri. On va partir. Un effet tout claqué. Attention, sorti. Ah non, je l'ai pas mis dans la capture. Je suis déçu. En fait, voilà, l'effet visuel fait que la caméra est complètement distordue. Ah, ok, merci. Merci. L'ancien Star Tour à Disneyland, quoi. Pour dire à quel point c'est fauché. Avec les sièges qui prennent feu, tu t'assois dessus. C'est un jeu, par contre, qui a une photographie assez intéressante. Chacun des modules, que ce soit la biocuve, la serre, le réacteur, la raffinerie, voilà, ça c'est l'effet visuel. Chacun des modules a une telle photographie que tu pourrais directement croire que c'est un plan tiré de Alien. C'est très bien inspiré. Yuki s'en bat les couilles, hein. Il est en train de se moucher pendant. Il a rajouté un effet sonore à l'hyperespace. Ouais, évidemment, évidemment. Il est sur une apnée, lui. De... Ah, donc là, je sais plus ce que je disais. Oui, par rapport à la photographie du jeu, même en fait, durant les écrans de chargement, il s'inspire de l'ambiance un petit peu cheesy des films de l'espace qu'on avait dans les années 70-80 pour mettre des parodies de comics de l'époque. C'est assez. Est-ce que tu recommanderais le jeu du coup? Alors, je recommande à un public très particulier, un public qui aime bien jouer 10 heures à un jeu sans comprendre ce qu'il fait. D'accord. Déjà. Est-ce que je peux juste me permettre un truc parce que je sens que c'est galère à expliquer. Et à vendre entre guillemets. Très galérifique. Mais il y a un truc, plus tu y joues, plus je me suis dit que c'est à mi-chemin entre bon alors un jeu de gestion de base, effectivement un peu Startopia Light, No Man's Sky Light, ouais.
et idle game en fait, parce que c'est ça qu'on a pas trop dit, c'est que tu peux tout automatiser. Tout ce qu'on fait là, là on tapait sur un clavier pour accélérer le par exemple là c'est l'extraction de fer. Je peux demander à des IA de le faire en assignant par exemple Gotos et Puyo sur le rayon tracteur. Idle game, c'est un jeu aquarium en fait. C'est littéralement un jeu où pendant que j'y jouais au taf, je partais en pause et je laissais tourner. Je revenais et j'avais 10 ressources de plus. C'est un jeu que tu peux laisser tourner et c'est un jeu que tu peux avoir plaisir à. Le jeu de ta pause quoi. C'est... Non, mais. Le jeu de faire des pauses toute l'année. C'est vraiment assez particulier. Si je travaille, attends, là le jeu est en train de tourner. C'est un hybride très bizarre, mais. C'est bourré d'idées quoi. C'est bourré de bonnes idées. Enfin, rien que le fait de pouvoir ramener des aliens qui peuvent infecter le vaisseau, les IA que tu vas connaître peuvent développer des maladies. Les maladies, tu peux les étudier en tuant d'autres aliens et en mêlant les brins d'aliens. Enfin, il y a plein de trucs super cool. On va faire un live ce soir avec Pipo. Donc là, voilà, c'est l'écran de raffinerie. Ce soir étant il y a deux jours. Voilà. Ce soir étant. On a fait un live mercredi soir. On a fait un live il y a quelques jours qui du coup va durer une heure et où j'aurais bien le temps. C'était passionnant, faut bien le dire. C'était vraiment grosse rigolade. C'est sûrement notre meilleur. Sur 44 minutes, ouais. Vraiment la gros meilleur, truc. À la fin, Pipo, il fait un truc de fou. Voilà. Il y a tellement de choses différentes. Est-ce que c'est pas difficile à digérer? Alors, au c'est extrêmement difficile à digérer. C'est un jeu qui part dans toutes les directions et c'est. Il fait pas tout bien, il fait pas. Enfin, l'aspect technique n'est pas fou, t'as des bugs de collision, voilà. Donc, ça, c'est quand t'arrives sur une planète. Parce que tu peux choisir juste d'envoyer des IA sur une planète, tu peux leur dire allez récupérer des ressources, mais tu peux aussi y aller toi-même avec eux. Et là, bah, ça va se résumer à ça. Une génération procédurale un peu claquée, avec une ambiance visuelle qui est aussi entre le bleu, le rouge ou le vert. Mais en revanche, ça s'entre dans un aspect gestion qui est intéressant, parce que tu peux choisir soit d'aller toi-même sur la planète et donc de ne pas ramener d'aliens, parce que les IA sont connes et on ramène systématiquement, donc tu prends moins de risques. Que si tu les laissais y aller elles, mais c'est plus rapide. Enfin, il y a toujours une gestion une prise de décision. Voilà, tu vois, le feeling de fusil à pompe, on se croirait dans Daikatana 2. Bon, bah du coup, il y aura un test sur le site. Il y aura un test qui va arriver vendredi. C'est un jeu qui est étonnamment assez velu. Qui est arrivé vendredi. J'en suis. Qui est arrivé, puisqu'on est au futur intérieur. J'en suis à 20-25 heures de jeu et je suis seulement en train d'entrevoir le endgame. En fait, quand tu arrives à trouver une planète qui est viable pour la vie, le jeu te dit ok, tu peux vivre dessus, par contre, il te faut 30 membres d'équipage qui consomment de l'oxygène. Donc, faut, en fait, une fois que tu as trouvé une planète pour accueillir la vie, il faut refaire toute la galaxie pour trouver des plantes, etc. C'est vrai que j'ai pas vu un gunplay, enfin un jeu. C'est vraiment un gunplay au flingue depuis Red Steel, quoi, comme ça. Tu sens c'est complètement accessoire, effectivement. C'est hyper accessoire, par contre. Donc ça s'appelle Genesis Alpha One. Oui, ça coûte à peu près 20 balles, je crois, entre 20 et 25 balles. Sur l'Epic Game Store, mais pas encore sur Steam, puisqu'ils avaient une exclue avec Epic. Une de plus. Et ouais, une de plus. Et c'est édité par Team 17 et développé par Radiation Blue, je crois que c'est leur premier jeu et c'est plutôt engageant. Je pense que tu as tout dit. Merci Nodus, merci à tous, merci Luma. On va maintenant demander à Puyo de revenir. Je pense que son maquillage est prêt, il a préparé ses arguments pour nous expliquer en moins de 3 minutes l'histoire de Kingdom Hearts parce que c'est important. Donc on va regarder un petit trailer histoire de se mettre dans l'ambiance et on se retrouve juste après. Alors Pipo, Gotos et Luma contre Puyo, c'est le débat que l'on organise autour de Kingdom Hearts 3. Alors blague à part, évidemment, c'est un événement, hein. Le jeu est enfin sorti et est enfin terminé d'ailleurs. Puyo l'a fini lui-même. Kingdom Hearts 3, une suite. C'est finir les jeux avant de tester. C'est vrai, c'est une bonne habitude que tu as prise. Notamment avec FF15, on en reparlera probablement puisque le parcours des deux... Dans le live, mais on n'a pas réussi. C'est un sujet tabou pour Puyo. Donc Kingdom Hearts 3, la suite de Kingdom Hearts 2 avec un trou énormissime entre les épisodes, je crois plus de 12 ans si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr. Donc c'est évidemment une suite qui s'est fait attendre. Et donc on a enfin le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One si je ne dis pas de bêtises, des supports qui n'étaient pas les supports originels de Kingdom Hearts 3. Et Puyo, tu as donc joué et fini ce jeu. Est-ce que, première question, il faut avoir compris l'histoire ou avoir fait les deux premiers épisodes pour profiter de ce Kingdom Hearts 3. Alors tu parlais de cet intervalle particulièrement long qui s'est installé entre le 2 et le 3, mais il s'est passé pas mal de choses entre temps. C'est-à-dire qu'on a eu un prologue qui s'appelle Birth by Sleep, on a eu beaucoup de jeux qui sont venus se greffer, notamment sur mobile, on va pas forcément en parler. Il y a eu un jeu qui s'appelle Dream Drop Distance, qui est important, puisqu'il fait un petit peu la jonction. Et on a eu même eu le 2.8 Final Chapter Prologue, avec le 0,2 qui a servi en fait à bypasser
avec qui remettait en lumière Aqua. Ah oui, bien sûr. Voilà. Heureusement. Qui permettait de goûter un petit peu au système avant l'heure et au passage à l'Unreal Engine et qui servait, on va dire, de prologue déguisé à ce 3. Donc il y a eu beaucoup de choses d'ici là. On va dire que jusque là, on a concentré toute la mana, elle va exploser. Mais justement, il faut quand même avoir les bases. D'accord. Des jeux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ressorti, pas uniquement pour la thune, mais aussi pour repréciser le contexte. C'est pour le contexte. Il y a une YouTube de 2 heures pour le contexte. Et comme le disait si bien Goto, je pense que oui, tu peux t'infliger, on va dire, le scénario des précédents avec des vidéos YouTube, des récaps, des gens qui vont te faire des podcasts très intéressants, etc. Mais le mieux, c'est quand même de vivre et de jouer à ces expériences-là. De participer à l'ascension vers le final, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme voir Infinity War au Cinoche sans avoir vu, on va dire, la mise en place de chacun des personnages. Avec quelqu'un qui te fait, alors lui, c'est OK. Et du coup, le 1 et le 2 suffisent ou faut cette bouffée aussi, les Dream Drop, les 358 sur 2, les machins, les trucs? Alors, il y en a qui sont plus ou moins indispensables. Ça, c'est vraiment le nouveau fan qui en rajoute. Non, mais on va dire que le 1 et le 2 sont vraiment évidents. Fondamentaux, mais Birth by Sleep, qui est un prologue qui est vraiment largement cité dans le 3, puisque tu as Aqua, Terra et Ventus, qui sont trois personnages centraux. Ils ont pas été ignorés, finalement. C'est pas une Star Wars sur l'univers étendu, en mode, bon, c'était gentil, ces trucs-là, mais... Pas du tout, parce qu'il y a un élément central qui s'appelle la guerre des Keyblades. Il y a un méchant qui s'appelle Xehanort, oui, qui est revenu, qui est revenu et qui a vraiment été remis, enfin voilà, qui est central dans Birth by Sleep. Et oui, cet épisode-là est important. Et Dream Drop Distance, on l'a dit, lui aussi fait la jonction jusqu'au 3. Un peu largué si effectivement on n'a pas fait tous ces épisodes. Donc il faut savoir pourquoi Riku était par moment méchant et par moment l'allié de Sora, qui est le personnage central. C'est pour ça que je dois dormir en ce moment, je te loue. Et puis autant le préciser, à la base, donc Kingdom Hearts, c'est la volonté. C'est le troisième pilier de Square. Il y avait Dragon Quest et Final Fantasy. Ils ont dit celui-là, on va faire un troisième pilier. Ouais. Qui va marier la folle univers Disney et l'univers Square Enix au sens large. Oui. Désormais, c'est un univers qui existe par lui-même. Il y a très peu d'échos faits à Final Fantasy, par exemple, qui était plus ou moins là au départ pour s'installer. Désormais, Sora et les siens évoluent par eux-mêmes. Enfin, on ne voit plus trop les Squall et compagnie maintenant D'accord. Ils ne sont même plus là dans cet épisode. D'accord. Alors, juste une question très simple. On va être assez transparent avec vous de ce côté-ci de l'écran. Le jeu, on l'a reçu très tard. Et on s'est même inquiété, en fait, de la qualité du jeu et de ce que ça pouvait cacher. Parce que là, si on en parle cette semaine, le jeu est sorti la semaine dernière. Donc, notre test a été publié avec un petit peu de retard, comme c'est le cas pour beaucoup de confrères en France. Du coup, ma question est simple. Est-ce qu'il y avait des raisons de s'inquiéter, et est-ce que quand t'as fini le jeu, sans spoiler évidemment, t'as le sentiment quand même d'un jeu qui arrivait à sa vraie fin en termes de développement, ou est-ce qu'il a été sorti dans un état... Ça cachait pas une douille effectivement, parce que voilà, généralement les jeux que tu reçois avec quelques jours, en fait c'était juste sans doute pour se prémunir des spoilers. On sait que le jeu a été leaké en décembre aux États-Unis, que certains l'ont fini, que voilà, les fins étaient plus ou moins chassées sur YouTube, mais des gens connaissaient, on va dire, le tenant et les aboutissants du scénario. On se demandait si le scénario n'était pas décevant pour les fans. Et en fait, non, pas du tout. Il résout beaucoup de questions, il ouvre d'autres portes, évidemment, mais globalement, ça tient vraiment la route, même d'un point de vue jeu. T'as pas un édifice qui se craquait complètement comme FF15, avec une période grand tunnel, avec des manques scénaristiques, avec des trous. Ouais. Non, pas du tout. Il essaie quand même de recoller tous les morceaux. Et si tu as suivi... C'est toujours Kingdom Hearts. Et si tu as suivi, on va dire, son évolution, il est vraiment pas décevant. Enfin, c'est vraiment un feu d'artifice pour un bouquet final pour ceux qui ont suivi son évolution. Après, pour ceux qui prendraient le train en route, tu peux te poser pas mal de questions. Ouais. Tu peux te dire où est-ce qu'on va, qui sont ces personnages. T'as une cosmogonie qui est quand même assez délirante. Ouais. On a vu l'index qui liste les personnages principaux du jeu. T'as 30 entrées et tu sais pas forcément qui est qui. Ouais. Et tu peux nager en eau trouble et ne. Ce qui est le cas. Ouais. Oh là 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 là, il est fort. Justement, tiens, on va parler un petit peu des graphismes et de la réalisation, parce que globalement, c'est un des points forts, c'est peut-être même le point fort, diront certains, quand on voit la modélisation des personnages Disney. Le vrai point fort, je pense que. C'est plus de la DA que de la technique dans ce cas-là. C'est plus ces moments-là, en fait, qui sont intéressants. Ouais. C'est les espèces de recréations. C'est ça, la reconstitution des univers Disney est hallucinante. Ouais. Après.
tu peux effectivement, une fois que tu sors de là, tu peux effectivement te dire que les environnements sont vides. Oui, c'est vrai. Après, on est à Arendelle, c'est de la neige partout, mais est-ce que c'est pas un cache-misère aussi ? C'est pas parce que t'es à Arendelle que tu peux avoir 150 km de couloirs qui se ressemblent tous et qui sont bleu glace, quoi. Globalement, ça va respecter la formule de Kingdom Hearts. Jusque-là, la formule, c'était des parcelles de terrain qui étaient extrêmement vides. Aujourd'hui, ça reste vide, mais t'as quand même beaucoup plus de verticalité et beaucoup plus de distance d'affichage. Bon. Alors ça peut pas, enfin c'est pas en thème, mais d'accord. À un moment, il faut être correct. Le jeu peut paraître vide, et c'est le cas hein, de toute façon. Mais par contre, il y a un soin sur les animations, sur les personnages, sur la direction artistique d'une manière générale qui va s'accorder à chacun des univers traversés. Donc là, Arendelle, effectivement, tu vas être dans un monde de glace, dans le monde de réponse qui est un des plus luxuriants, si j'ose dire. Tu retrouves toutes les tonalités de couleurs, de personnalités de qui font le film Disney. Nous y voilà d'ailleurs avec Flynn Rider. Et ça reconstitue vraiment certaines séquences. T'as l'impression de, un peu comme Dragon Ball FighterZ dans une certaine mesure, d'avoir le dessin animé sous tes yeux. Sauf que là, c'est pas des rendus, c'est de la 3D quoi. C'est le moteur là. Ouais. C'est quand même très propre. C'est vraiment, en plus les séquences du dessin animé, enfin du film d'animation quoi. Mais c'est vrai qu'après in-game, on reste quand même dans une perspective de couloir qui peut gêner si t'avais l'ambition de retrouver quelque chose de plus ouvert, de plus. Mais moi je trouve que ça reste quand même assez. C'est net graphiquement. Oui, la DA fait que ça passe, en fait, je trouve, c'est enfantin. C'est... La DA, effectivement, ouais. Et les effets, et les animes en combat, c'est très très agréable à regarder. Quoi. Je voyais les combats tout à l'heure, est-ce que c'est un jeu pour enfants ? Si on met de côté l'histoire déjà. Un jeu pour enfants, tu veux dire un jeu que tout le monde peut prendre en main ? Est-ce qu'un enfant, par exemple, parce que là, je vois ce niveau de challenge et de difficulté, je pense qu'à partir de 12 ans, tu peux le finir à une main dans le dos. D'accord, mais c'est facile. En standard, en tout cas. Mais. Le jeu a perdu de sa difficulté à mesure des épisodes. Hein. Le 2 était. Enfin, le 1 c'était une épreuve, le 2 c'était tranquille, et là le 3 t'es tellement dans la gratification permanente de la moindre action que t'as très très peu de challenge. Tu veux dire que le joueur est vraiment pris par la main, genre constamment ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait t'as tellement de moyens de te sauver d'une situation, soit en te régénérant, soit en comptant sur tes partenaires, soit en activant surtout les nouvelles attaques qui s'appellent les attaques attractions, qui sont inspirées des attaques des attractions Disney, donc Big Thunder Mountain, le Mega Splash. Tu les déclenches, en fait, ou... Ils se déclenchent très très facilement, tu fais un combo 3 coups et bizarrement tu as la technique triangle qui va apparaître. Déjà, Kingdom Hearts 2 avait été critiqué pour ce côté triangle, je presse triangle et c'est magique. Ouais. Là, ils ont lâché la bride encore plus. C'est pas un jeu où on meurt en fait, c'est plus un jeu où on se fait plaisir avec des attaques. Des combos, quelques enchaînements aériens qui pètent, tu passes d'un ennemi à l'autre, tu vas pouvoir transformer ta Keyblade, puisque c'est une des autres nouveautés du jeu, c'est que tu peux activer 3 Keyblades en permanence, et chacune va correspondre. Il y en a une qui va être plus orientée magie, une qui va être orientée contre. Une autre orientée à attaque physique, donc à mesure que tu finis un univers, il va te filer une Keyblade nouvelle et tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir la forger pour augmenter ses statistiques, ce qui induit d'aller chercher des matériaux ici à droite à gauche, c'est classique hein, franchement. Et après tu as ces attaques attractions qui viennent se déclencher, qui sont indépendantes de la Keyblade que tu qui durent un quart d'heure, qui sont très très longues à tel point que... Est-ce qu'il y en a beaucoup ? T'en as 6 ou 7 ? Non, 5 ou 6. Ah oui, donc tu les vois très vite en boucle, quoi. À tel point que... Pendant le live, à un moment, Puyo disait, là, par exemple, j'ai eu le bateau laser, ou je sais plus comment il s'appelle, je l'ai eu il y a 2 minutes. Là, en fait, je vais juste laisser la jauge se vider et je le prends pas. Genre, le système de combat t'offre un truc et tu dis, non, merci, je l'ai quand même déjà vu, quoi. Je vais pas me refrapper une animation de 10 minutes si je peux le faire en 3 minutes. Mais t'as des skips aussi. Tu peux skipper. Tu peux même aller dans le menu configuration et dire skip. Je veux plus l'animation. Tu peux la skipper manuellement, mais tu peux dire, je la veux plus. D'ailleurs, il y a des animations liées aux transformations de clés que j'ai skippées direct. Je voulais même plus les voir à la fin. C'est dommage quand même qu'il y ait des éléments du coup qu'on n'utilise pas, quoi. Parce que juste on n'a pas envie de les voir. Tu les utilises pas en standard parce que t'en as pas forcément l'utilité. Après, je pense que dès que tu passes en expert, t'as quand même plus intérêt à t'en servir parce que là, pour le coup, ça peut faire la différence face aux ennemis et face aux coups que tu encaisses qui sont beaucoup plus vénères.
Là, c'est une des phases donc, dans le mode de Toy Story où tu peux emprunter les robots et ça fait l'objet. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est assez varié en termes de séquences. Alors, les combats m'ont l'air un peu répétitifs, par contre, ils ont l'air d'insérer pas mal de petites séquences de gameplay cocktail. C'est un des atouts du jeu, c'est que tu n'as pas l'impression de faire. Enfin, chaque nouveau niveau va intégrer une nouvelle mécanique. Là, donc, ce sont les robots dans lesquels tu grimpes. dans le Big Hero 6, tu vas avoir des combats à dos de Baymax. Ouais, je vois qu'on fait des recettes. Là, oui, t'as des. Bah, ça, c'est un mode un petit peu annexe. Oui, en plus, si le jeu n'était pas suffisant, facile comme ça, tu peux grâce aux plats que tu vas préparer donc chez Rémi de Ratatou, même acheter au Mog, te booster tes stats. Donc tu vas avoir ton diagramme, ton losange de stats qui va être encore plus gros et vénère. Fico qui est chaud là, qu'est-ce qu'il veut. Le mini-jeu c'était vraiment juste stick gauche d'un coup, stick droite de l'autre, 4 fois. Ouais. D'accord. Mais globalement. C'était même pas méchant, je posais juste la question. Globalement, c'est. Pour dire que je suis méchant. Non, mais prise individuellement, chacune de ces phases n'est pas un grand jeu. C'est l'amalgame de tout ça et la manière dont ils vont s'accoler à l'univers Disney et d'une manière générale la fluidité de toutes les actions qui, on va dire, font la synthèse de toutes les expériences qu'ils ont tentées dans les précédents Kingdom Hearts, notamment dans l'épisode 3DS où tu peux aller contre les murs, te balancer sur... Ça, ils l'ont gardé du coup. Ça, ils l'ont gardé et tout ça, ça donne une expérience extrêmement vive, dynamique, plaisante, un peu facile effectivement, voilà, un peu trop de... qui lente de plus en plus vers le beat'em up et moins vers l'action RPG à l'ancienne où il fallait un petit peu jauger ta jauge de MP. Ouais. Tu avais quand même un aspect gestion de ressources, notamment dans le 1, et un peu plus aussi dans le 2. Là, t'es un peu déçu parfois qu'ils aient pas forcément pris... Ça manque de profondeur. Ça manque de profondeur. Par exemple, un jeu comme Birth by Sleep, tes attaques, c'était des objets, entre guillemets. Et tu les faisais défiler dans ta jauge, t'attendais un cooldown, tu les fusionnais, ça te donnait naissance à d'autres combinaisons. C'était un peu plus intéressant dans la manière dont la customisation va s'articuler. Là, désormais, tout est un peu gratos, tout est un peu facile, tu vas avoir des attaques magiques, etc. La force de cet épisode-là, en fait, c'est la manière dont, déjà, il va s'approprier les univers sur le plan graphique, sur le plan technique, sur les clins d'œil multiples qu'il va réaliser. L'univers des Pirates des Caraïbes, quand tu vois Jack Sparrow et Davy Jones et tous les acteurs, la manière dont ils ont été modélisés, il y a des moments... Alors, je sais que en ce moment, je suis myope et j'ai du mal à voir, mais c'était indiscernable entre le film... Et c'est assez, l'objet cinématique, c'est assez fou. Incroyablement bluffant. Bah après, voilà, quand tu traverses l'océan, bah c'est pas non plus. Mais en fait, moi, ça m'exclut du coup de facto de Kingdom Hearts 3, parce que je pourrais pas y jouer, en tout cas pas en profiter autant que toi. Mais en fait, je trouve ça assez courageux quand je me rappelle d'FF15, qui, à cause de son développement un peu cataclysmique, avait été obligé un petit peu de repartir dans une direction peut-être un peu différente. Je me rappelle de cette intro où il marquait pour les fans de Final Fantasy et les nouveaux venus. Mais alors là, je trouve que là, ils assument le côté on vous a fait poireauter 12 ans, mais c'est à vous qu'on s'adresse. Comme vous le rappelez, faut pas oublier qu'en 12 ans, ils ont pas poireauté, il y a eu 18 jeux quoi. L'épisode canonique était là, et en fait, c'est vrai qu'ils ont dit voilà, on a mis le temps de le faire, mais on vous a pas oublié en disant bon, allez les gars, on va essayer d'avoir un nouveau public à Kingdom Hearts, donc on va ignorer quasiment toutes les fausses pistes scénaristiques pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus grand public en fait. Là, c'est vraiment un build-up et c'est vraiment le bouquet final. Ouais. Donc, ce qui là aussi, l'intérêt du jeu, c'est qu'on perd peut-être en côté personnalisation, mais par contre, comme le scénario se boucle et se boucle de manière assez satisfaisante pour enfin tout le monde est convoqué, enfin voilà, il y a vraiment l'invitation et tout le monde est là, ça donne beaucoup plus d'envergure au jeu et t'as vraiment la satisfaction d'arriver au bout de l'histoire, au bout en tout cas de cette grande trilogie augmentée, et tu te sens récompensé. Par contre, c'est vrai que si tu prends cet épisode là l'avantage c'est que les Kingdom Hearts sont des jeux assez courts, assez plaisants. Forcément, l'univers Disney est universel et tu connais les... Tu peux te refaire facilement le 1, le 2. Le 1, je te conseille de le faire en facile. Est-ce que la trilogie en soi est viable, genre pour 100 ou 120 balles, qui va être le prix auquel on va la trouver aujourd'hui? Oh, moins que ça, je pense. Moins que ça, ouais. T'as l'épisode 2. 60 balles le jeu neuf, 60 la compil des deux autres. La compil est pas chère. T'as une compilation All for One, je crois, où t'as tous les jeux plus le 3, et il me semble que c'est... Ah, plus le 3, non? Ouais. Ah, ok, d'accord. Le All for One, le grand packaging. C'est pas si cher que ça. On va rappeler aussi, parce que ça c'est très important. Et c'est kiffant, moi. Il y a eu en fait l'épisode 1 et 2, ce sont des jeux PlayStation 2, mais ils ont eu effectivement un remaster qui est sorti il y a un an et demi, je crois, ou un peu moins d'un an.
enfin un peu moins d'un an et demi, qui comporte plusieurs épisodes, le 1, le 2, et aussi d'autres. Il y a que ces deux-là ou c'est le 2 et 2.5 peut-être. Ouais, il me semble qu'on a un. C'est 1.5, 2.5 la compile, je crois. Non, t'as le 1, t'as Chain of Memories, oui, donc ça. La version Game Boy Advance dans sa version PS2 remasterisée. D'accord. T'as donc des résumés cinématiques de ouais, Recoded voilà. Des 358. Peut-être commencer par là. T'as Birth by Sleep dans le 2, t'as le 2. Enfin, le à la limite. Ah, le 1, tu peux le refaire sur YouTube, mais le 2, le 2.5 en fait, ouais, avec ça, le 2 ça. Et Birth by Sleep, ça vaut vraiment le coup, rien que lui seul. Surtout qu'on va se rappeler qu'on vit dans un monde malheureusement où les jeux perdent 80% de leur prix en 2 mois. Donc en fait, là, si vous voulez faire Kingdom Hearts 3, peut-être attaquer le 1L2 tout de suite. Le temps que vous bafriez un petit peu tout ça, on va se retrouver au mois d'avril-mai, et là, par contre, le jeu sera peut-être un peu moins cher. Mm. Ce sera peut-être aussi une autre façon d'en profiter, mais. Pour le coup, c'est moi. C'est plus risque de pas mal vendre, il va peut-être pas non plus baisser aussi vite que des jeux qu'on a pu voir s'effondrer dans la merde. Je me fais pas d'illusions, le jeu vidéo d'aujourd'hui, malheureusement, les prix chutent assez vite, donc je pense qu'il va très très vite péter. Du coup, ouais, toi, toi, en tant que néo-fan, parce que tu as eu le temps évidemment de rentrer dans la série, toi, t'étais servi quoi. Bah, en plus, comme je disais, le premier m'était tombé des mains à l'époque du test parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et j'ai été surpris de voir que c'était une série que j'ai longtemps moqué pour la pseudo-complexité de son scénario et ce genre de choses. Où, voilà, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir rentrer justement. J'ai fait cette démarche-là et j'ai vraiment été surpris par la fois par le dynamisme, le côté bon enfant, le côté. Ouais, c'est vraiment, je comprends l'importance de la franchise chez Square Enix aujourd'hui, et j'aurais été déçu justement d'avoir un peu zappé tous ces épisodes-là, parce que celui-là te récompense en fait, récompense vraiment l'attente. Non, c'est vraiment un jeu de grande qualité. Si tu fais fi, on va dire, enfin, comme je te l'ai dit, c'est un amalgame de tout, et ça fonctionne toujours aussi bien. En tout cas, c'est rassurant même pour Square Enix, hein, qui avait effectivement, même si Dragon Quest 11 avait été plutôt réussi, c'est vrai que FF15 vous avait un petit peu fait peur. C'est toujours faire atterrir des avions. Le problème, c'est que je te demandais un jeu de rôle et je suis pas sûr que tu sois capable de le faire. Si t'avais en fait kiffé les Kingdom Hearts à l'époque et que t'étais pas un néophone et si t'avais eu cette longue attente, etc., est-ce que tu penses que t'aurais eu tout ce que tu voulais avec ce troisième épisode ou quoi? Parce que c'est vrai que toi, en fait, t'as développé cet amour pour la série. Kiffé, ouais. Ouais. Oui. C'est si satisfaisant. Plus kiffé que. Quelqu'un qui aurait attendu aussi longtemps. Je pense quand tu retrouves un personnage que tu as vu il y a 12 ans, et tu dis, ils l'ont pas oublié, ils font une référence qui est juste pour moi. Si tout le monde est vraiment là, ouais. Je trouve ça super cool en tout cas, et assez courageux. Donc, et puis comme le jeu a l'air de se vendre en plus, je pense que le pari est plutôt gagné du côté de Square Enix. Donc en tout cas, c'est cool. Ça s'appelle donc Kingdom Hearts 3, disponible sur Xbox One et sur PlayStation 4. Mais écoute, tu m'as donné faim, enfoiré. Depuis la semaine dernière, merci à tous pour vos commentaires durant cette émission de GameCube. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle donc que si vous en voulez encore, on a Quickload. Oui, tout à fait. Le gaginage du PC. Effectivement. Voilà, ainsi qu'on présente par-delà les frontières de cette rédaction, mais également 24 FPS qui lui justement revient sur toutes les liaisons entre Disney au cinéma et Disney en jeu vidéo, d'inspiration directe et indirecte dans des jeux récents et non. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est par moi et c'est dans votre espace premium. Je vous salue, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.